What's up tout le monde, bienvenue au What's up podcast, c'est votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, on reçoit nul autre que Acid Blais, mon chum Max Blais, man, ça a vraiment été le fun de le recevoir. Puis là, le podcast, ça fait un an de ça, ok? Ça fait un an qu'il a été enregistré, puis je décide de sortir ça cette semaine parce que j'ai de la misère à avoir des invités, ok? Fait que il y avait deux podcasts que j'avais enregistrés il y a un an que j'ai jamais pu sortir parce que à l'époque j'avais des commanditaires, j'avais eu beaucoup de commanditaires en même temps, puis eux autres avaient payé pour certains types d'invités, puis fait que les podcasts ont tout été de repousser de semaine en semaine, puis j'ai jamais pu les sortir. Puis, à un moment donné, j'ai juste fait « Yeah, fuck it, esti, je vais juste les laisser pour Patreon, puis je vais en réenregistrer d'autres, esti, avec ces deux gars-là. » Puis, finalement, ça n'a jamais sorti, ça n'a jamais pu arriver. Fait que là, j'en profite, vu que Chris, je les avais oubliés. Là, je suis comme « That's it, esti, ils vont pouvoir les sortir cette semaine. » Puis, celui de cette semaine, ça va être Max Blais. Crissement cool. Vous allez voir, là-dedans, on apprend à le connaître. C'est un esti de bon gars. Vous allez beaucoup l'aimer, je crois. Si vous m'aimez, moi, on est un peu le même style de personne. Chris de bon vivant, qui aime ça faire le party, qui a le cœur sur la main. J'adore ce gars-là. À chaque fois que je vais des bonnes brosses avec lui, je termine tout le temps la soirée en me disant « Calisse, esti, faudrait que je passe plus de soirées avec lui. » Bref, je pense que si vous le connaissez pas, vous allez l'adopter. Allez le suivre sur Instagram, vous allez avoir crissement du fun. Ou sinon, c'est ça, pour cette semaine, ça va être le podcast avec Acid Blais. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, allez vous abonner Patreon hein, si vous voulez m'encourager, vous voulez faire sûr que ce podcast-là il continue. Allez devenir membre au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a plein de forfaits. Vous allez pouvoir m'aider. Ça va beaucoup m'encourager à pouvoir continuer ça, ce podcast-là. Et si vous voulez, vous pouvez pas le faire de façon financière, dites-vous que tout support est apprécié. Fait que juste partagez le podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Sinon, vous pouvez vous abonner à mon compte Jerry Alain sur Instagram ou ma page Facebook Jerry Alain. Ça va être crissement apprécié. Puis yes, je veux dire encore une fois un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex Lavoie, Boutique Bouchou Quaticook. On avait Éloi Blanchard, Gab au joli plié. Gab au joli plié. Jérôme Arbour, Michael Boulanger et Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Yes, sir. Ou sinon, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Fait que gros merci à mon chum Acid Blais d'être venu sur le podcast. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Peace out. Ben, yes, sir. What's up, tout le monde? Bienvenue au What's up podcast. Super content de recevoir Maxime Blais, yes. Alias Acid Blais sur Instagram. Super content d'être ici. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. C'était la fête à Stéphane. La fête à Orange en carton. Que j'ai totalement échappé. Ah, je l'ai échappé moi aussi. Je me suis réveillé dans mon char avec les fossiles dans le front. Puis Ah ouais. Ah, puis en plus, on était parkés un à côté de l'autre. C'est pas... vrai? Oui, oui, parce que j'ai catché là, que c'était à toi la Mustang Rose. Exactement. J'étais juste à côté de toi. Puis, hey man, moi, là, cette journée-là, parce que je me souviens pas du soir. J'ai monté sur scène, j'ai fait un number, genre, où j'ai essayé. Non, moi, j'étais plus là, rendu là. J'étais rendu dans la Mustang à quelque part, puis j'ai ouvert la porte de la Mustang. Un moment donné, j'ai allumé que je m'étais endormi, tu sais. Puis il y avait mon chum, le gars, Maxence, qui était couché à terre en dessous de la Mustang. Puis Morgan, il me dit, qu'est-ce que tu fais dans ma tente? Je suis pas mal sûr, je suis pas dans ta tente, puis... Ah non, c'était une pas pire, celle-là, c'était quand même. Il partait à Orange juste tout le temps quelque chose. Ah ouais, hey, vraiment, mais là, lui, il a filmé. Il a comme... Et il va avoir la trilogie qui sort. J'ai peur de ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il va sortir de là. Maintenant, je suis en boxeur, esti. En train de lancer mon tutu. J'ai pogné en feu à un moment donné. T'as pogné en feu? Hey, j'ai même pas vu le feu. C'est parce qu'il y avait un gros crisse de limbo. Okay. En carton, là, tu sais. Ouais, ouais. Puis là aussi, ils l'ont crissé en feu, puis là, tout le monde passait. Puis moi, j'étais ben trop sûr, j'ai
planté dedans, j'ai tombé à terre, puis le feu était pogné sur mon chandail. J'étais. Puis le monde était comme. T'as perdu avec Christ. Puis là, je me suis pété le coude, man. Puis là, là j'ai eu mal au coude pendant je sais pas combien de mois. Non, moi, ça a bien été, là. Mais comme il dit, ça va être une trilogie. Fait d'après moi, le film numéro 1, 2, ça va être pas pire. C'est le troisième. Ouais. Je suis quasiment content de m'avoir endormi à quelque part. Ben, c'est ça. Tabarnak. Mais tu sais, il me l'a dit, il dit, tu sais, il l'a vu, puis il a fait deux guillemets. Il a rien ben non, tu sais. Okay. En même temps, je suis pas quelqu'un de méchant, là, mais c'est juste, tu sais, c'est tout le temps stressant quand tu te souviens, puis qu'est-ce que t'as fait, t'étais où, t'as dit quoi. C'est un soir repos, par exemple, c'est juste que quand c'est filmé, c'est une autre histoire. Là. Ouais. Mais... Ouais, exact. Exact. Hmm. J'ai dit, là, man, tu vas me. Je vais faire un stamp approve si je suis dedans. Là. Faut que j'aille checker qu'est-ce que tu vas mettre. Moi, il y a bien des affaires, je m'en calisse, mais tu sais. Quand tu t'en souviens plus d'avoir ça sans voir. Bon, ouais, c'est ça d'avance, tu sais. Pas tu le découvres en même temps que tout le monde. Toi, t'es bien. Pour vrai, mon gars. Tu sais, je sais pas tant de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Moi non plus, c'est pour ça que j'ai bien hâte d'avoir parce que mais tu me fais vraiment beaucoup rire sur Instagram. T'as tellement l'air d'un bon dude en plus. Hey, on s'est vu une fois en vrai qui était à la fête à Orange. Ouais, c'est ça. J'ai la dernière fois qu'on s'est vu, mais c'est la seule fois. C'est ça, c'est la seule fois. J'étais supposé aller me casser une bière à ton spectacle, à ta fête qui était annulé. Ouais, c'est ça. C'est ça, le 12 mars, ça a été annulé comme dernière seconde. Moi, j'étais tout prête, puis finalement, tu m'appelles. Tout est annulé, je comprends trop. Ouais, ça arrêtait pas pire, ça. Ouais, ça aurait été cool, hein, Chris. Mais c'est là parce que t'as fait. Je pense que tu t'avais abonné à mon compte. Puis après ça, là, c'est là que j'avais su t'étais qui. Puis là, j'avais compris. Par la suite que je te trouvais drôle depuis un peu plus longtemps, okay. C'est que je savais pas t'étais qui ou j'avais pas mis ton nom ta face sur ta face. Là. Fait que mais tu sais, je te l'avais déjà dit, c'est t'avais été avec Enner à Las Vegas. Là. Atlantic City. Ouais, Atlantic City, là, tu sais, même. Ah non, ça c'était quelque chose. À tous les étés, c'est ça qu'on faisait. Ouais. C'était une gang de gars, Atlantic City. Il y en a un qui arrêtait pas de pisser dans ces culs-là. Exactement. Tu sais, mais ça, tous les jours, on se faisait un défi différent. Puis là, la journée 1, c'était, on demandait à Instagram des défis à faire, tu sais. Puis c'est ça. Là, c'était un des défis, tu sais. C'était comme un point, tu pisses dans les culottes. Lui, il était comme, ben là, c'est cumulatif ou c'est juste une fois, là, Mais non, c'était pas pire. Mais ça, quand on est parti à... C'est vraiment... Ça n'a pas de sens, cette fin de semaine-là. Quand on est parti, c'est à peu près 9 heures de char, ça rentre. Fait qu'on s'est dit, ça brûle une journée. Si on part le matin, on n'arrivera pas à la plage, on brûle la journée, tu sais. Fait que moi, je dis, OK, ben, je vais me sacrifier. Je vais me coucher de bonne heure. Je vais partir. À 3 heures du matin, je vais aller vous chercher au bar, parce qu'ils travaillent au bar, les chums. Puis on monte direct. Vous autres, vous dormez dans le char. Puis on va arriver, là, vous réveiller ça à la plage. Grosse affaire. Pire idée, aller chercher 3 personnes sa grosse brosse pour aller prendre les douanes. Là, ça essaie de cacher de la Bud Light dans le coin. Ils sont chauds au rêve, je suis comme non. Ils sont là de remplis de mauvaises idées. Là. Hey, on arrive au... c'est pas des farces, on arrive aux douanes. Puis mon chien, le gars, il y a le gars qui se fait interroger. On est les prochains. Il rouvre la porte. Puis il puke. J'ai dit non, j'ai dit ça se peut pas, là. On passe les douanes là. Le douanier legit nous voit, il vomit. Puis les autres, à la place de faire semblant que c'est pas arrivé, ça sort le téléphone, filmer ça, tu sais. Un tour de douane, puis il vomit. Faire du contenu. On arrive au. C'est terminé, il y a aucune chance qu'on passe aux douanes. Ouais. Le douanier il arrive, puis il dit ouais, vous partez pas mal, la gang, c'est quoi, vous êtes dans un band, des rockstars. Je dis non, je suis allé chercher au bar, puis. On est juste des vidanges. Ouais, c'est ça, le tir. Puis là, il est comme en tout cas, hey, regarde, il dit vous allez où, là, je dis Atlantic City. Surveillez tes chums, rock and roll, man. Bonne soirée. T'as rien passé. Ben non. Je me suis jamais fait poser autant pas de questions que ça aux douanes de toute ma vie, man. Ça a passé. C'est clair, ce gars-là, il démissionnait genre le lendemain aux douanes. C'est du plus grave, rendu. Ah ouais, il faut que jeunesse se passe. Rock on, calice. Non, ça c'était spécial, ça. Hey man, il rock en calice, ce douanier-là, là, pour vrai. Qui est le pire douanier au monde. Qui est le pire douanier au monde. Ouais. Mais en même temps, il n'y a rien d'illégal. J'imagine que tu peux vomir avant de passer un doigt. Ouais. Mais, ouais, c'est vrai, là, tu sais. Mais, ouais. Puis, c'est ça m'a fait rire parce que vous étiez tout le temps en train de.
Moi, j'aime bien ça quand c'est la même tune tout le temps. Toute la semaine, on part, OK, puis c'est ça la joke. Ça va être la même tune toute la fin de semaine. Mais t'es bon pour faire des sketchs, puis le montage, la façon que tu... J'aime bien ça. J'aime bien ça. Tu sais, tu mets la petite tune de dubstep ou je sais pas trop, quelqu'un... Je sais pas c'est quoi cette petite chanson-là. Je pense que c'est juste de la bass. Là, tu oh, oui, c'est là, ça. Oh, oui, c'est ça. De la bass. Puis là, ça, vous calez. Puis là. Genre, c'est semi-psycho. T'en fais d'un point. Là. Non, mais c'est à partir que je faisais plus des vidéos de skate. Puis il y avait 2-3 bières. Puis là, c'est quasiment rendu le contraire. Là. Depuis que j'étais avec Billy, ben, là, elle fait pas de skate. Fait que c'est quasiment juste des vidéos de bière. Puis il y a plus de skate partout. Ok, ça fait longtemps que tu fais des vidéos. Ouais, ouais. Moi, j'ai tout le temps fait des vidéos de skate. Puis là, ça vire un peu. C'est pour ça, moi, j'ai commencé à faire des vidéos tout le temps. C'est à base, moi, je suis quasiment un skater, là, tu sais, plus que d'autres choses. OK. Mais non. C'est quoi, tu viens de Trois-Rivières, toi, c'est ça? Ouais, je viens de Trois-Rivières, puis je suis déménagé à Montréal pour aller étudier en design de mode à Marie-Victorin. OK. Puis j'ai pogné la pire année aussi, parce que c'était l'année des carrés rouges. Tu sais qu'on est tombé en grève, tu sais. Fait que là, moi, je m'avais dit... Quand on est tombé en grève, je pensais que ça allait durer quelque chose comme une semaine. Fait que je me suis dit, je vais boire 2 kills de 10.1 à soir. C'est à grève, on s'en sac, party. Puis là, tout le monde trouvait ça drôle. Dans ce temps, c'était Snapchat. Je faisais des stories Snapchat. Puis j'ai dit, OK, toutes les journées de la grève, je vais boire 2 kills de 10.1. Puis ça a duré 9 mois, finalement, la grève. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire des stories tout le temps en plus. Tu sais. C'est là que tu as découvert que tu avais un problème d'alcool. C'est là que j'ai échappé pas mal. Ça fait pas mal depuis 2012. Tu sais, j'en ai jamais stories. Revenu. Mais non, fait que c'est ça. Moi, ma job, c'était ça que je m'enlignais là-dedans, tu sais, plus en design. Ouais. Puis j'ai fini par... Fini mon programme, j'ai travaillé comme designer. J'étais dans l'équipe de design chez Simons à Québec. OK. Fait que j'ai pas juste fait des niaiseries dans ma vie non plus, tu sais. J'étais designer pas mal. Quand je suis revenu, j'ai fait 2 ans, c'était à Québec. J'aimais beaucoup ça, la job. Ce que j'aimais moins, c'était la ville, tu sais. Québec, moi, ça a pas. Je revenais toutes les fins de semaine. Pour voir mes chums à Montréal. Fait que là, j'étais là, OK, à cause de tes chums, t'es à Montréal. Tous mes chums, t'es à Montréal. Moi, je suis à Québec. La job a bien beau de cool. À un moment donné, j'ai fait le switch. T'es pas, t'es pas comme formé un autre clan non, à Québec? Non, c'est ça. Puis je suis quand même pas gêné dans la vie. Je pensais à me faire des chums de skate ou quelque chose. Ouais. Je me suis ramassé que je suis revenu à Montréal après 2 ans de temps. Puis là, je me suis dit, OK, là, j'ai trop travaillé. J'ai travaillé comme un malade chez Simons. Mais si je me prends 1 an off, pas de job, puis là, je fais le party. Puis là, ça a juste continué le vibe Instagram. Les stories Instagram ont commencé à arriver. Mm-hmm. Puis c'est là j'ai rencontré tout plein de chums aussi qui a fait les vidéos que probablement t'as vu. Ouais. OK, puis ça fait combien de temps de ça? Genre 2 ans, là, environ? Que j'étais à Québec. Quand je suis venu de Québec, c'était 2017. Okay. Je parle pas dans le micro. Je suis revenu en 2017. Puis... Ben, c'est pas mal ça, là, tu sais... OK. Excuse-moi, là, je me réveille un peu. Non, ouais, c'est ça. Toi, t'as l'air du gars qui fait le moins attention à lui, là. Pour vrai, là, je regarde... C'est l'impression que j'ai en regardant ton compte puis tes vidéos puis tes stories, là. Tu sais, tu filmes la top. J'ai arrêté. J'ai arrêté okay. En Halloween. OK. Puis je pensais que ça allait faire plus d'argent que ça. Je me suis loadé de l'application qui dit comment que t'as fait d'argent. Ah, oh, c'est de la merde, ça. Tu le compenses par autre chose. Ben oui. C'est parti à 4 parts. Là. Tiens, c'est ça, tu le compenses ailleurs. Là. Non, fait que j'ai arrêté de fumer, mais le je suis pas un très bon cuistot, par exemple. Le Tim Horton, là, il est assez fort dans... Ouais. Moi, j'ai le régime assez Tim Horton, pap. Ah ouais. Mais... Parce que tu sais, dude, tu bois tout le temps de la bière. Ou sinon, ben, c'est ça, je pense. Puis... Puis mettre des maigres au bout, c'est clair que tu ne vas pas manger grand-chose. Non, ouais. C'est ça, je pense que ben, je mange pas grand-chose. Tu sais. Pourtant, je mange au McDo protéine pas mal, mais ça n'a pas l'air à vouloir grossir tant que ça, je sais pas pourquoi. Qui est reconnu pour être super bon pour la santé. Super Size Me, il fait ça pendant 30 jours, mais ça fait 3-4 ans. Non, ouais. Il est où mon documentaire? Mais non, mais c'est sûr que la pandémie, ça m'a aidé à essayer d'arrêter de boire, là, mais... Ouais.
Mais peut-être tu n'as pas pire là-dessus, par exemple. Là, Moi? Ouais, moi, j'ai. Bon, moi, je fais. Tu as l'air, par exemple. C'est le... Toi aussi, c'est l'image que tu projettes. Mais pourtant, que moi, je suis un grand buveur. Ouais, on dirait. Ouais, c'est parce que, ben, c'est parce que moi, j'aime beaucoup le faire pour. Ben, le quand, party. Quand je suis en show, tu sais. Quand je suis en show, moi, je suis de party. Fait que je suis funny. Puis. Tu sais, puis j'aime ça boire une bière. Fait que, tu sais, ça donne que je. Je suis de même, sacrament, là, tu sais. Mais. Dans la vraie vie, tu bois un peu seul. Ben oui, ça va arriver, mais tu sais, c'est comme plus rare ou sinon, c'est comme un petit moment me faire mouer tout seul. À moi de moi, tu sais, genre. Mais. Ou sinon, tu sais, moi, dans la vie, je bois pas. Si je suis pas de party, je bois pas. Là. Okay. Parce que j'aime ça prendre une bière bien tranquille, puis avec une petite bière dedans. Mais Chris, je bois déjà. J'ai trop d'occasions pour faire le party puis boire. Là, pas mal moins l'occasion de ce temps-ci, là, de la pandémie, je te dirais. Ouais. Non, mais tu sais, comme genre, si je fais un podcast. Okay. Dans tes lives. Ben ouais, c'est ça dans mes lives. Moi, c'est clair que je vais boire. Là. Je le ferai pas à jeun. T'sais, je peux le faire, c'est juste. Je sais pas, moi j'aime ça, prendre un petit billet. Les podcasts, t'es tout le temps à jeun, les petits. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que quand que. Là, on s'avait dit, hey, on va prendre une petite brosse, pis tout. Mais ça, c'était samedi en après-midi. Mm-hmm. Puis moi, samedi soir, j'en ai viré une quand même pas pire. Hey, dude, c'est fou, man. J'ai rempli un 26 onces de pisse. En une pisse. T'as rempli à 26... Mais pourquoi t'as essayé ça? C'était quoi le projet? Non, mais c'est parce que j'étais écœuré dans la salle de bain. Puis là, j'avais ça. Puis là, je parlais à mon chum à sa webcam. Okay. Puis là, tu sais, il me voyait pas pisser dedans, là. Mais tu sais, il voyait comme juste le haut. Puis j'étais là, je lui parlais pas. J'étais en train de pisser. Puis j'ai rempli, man, le 26 onces au grand complet. Deux pisses. Une pisse. Ouais, c'est quand même beaucoup un 26 onces. C'est trop. J'ai jamais testé, mais je pourrais m'assurer que. Moi, c'est plus régulièrement que. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que dans 5 minutes, moi, je vais avoir besoin d'arrêter le podcast pour aller pisser 2-3 fois. Là. Moi, j'ai une tabarnak de grosse vessie. Là. Genre, là. Bon, ben, 26 onces, visiblement. Ben oui. Moi, je peux créer un lac. Mais, ouais. Fait que c'est ça, c'était le combat de McGregor contre Dustin Poirier. Fait que c'est pour ça que moi, okay, tu faisais un live là-dessus. De... Non, j'étais avec des amis où est-ce qu'on l'écoutait tout en Discord. Je sais pas comment trop compris, là, mais okay, bref, okay. On était un groupe, on se voyait tous sur la webcam, puis là, on buvait, puis on commentait le monde qui se faisait péter à gueule. C'est ça notre gros fun. Ok. Mais ouais, ça, toi, tu fais souvent ça, tu sais, comme genre, tu vas faire des shotguns ou. Ouais, de moins en moins, tu sais. Ok, t'en fais moins. Mais c'est qu'il n'y a plus d'occasion non plus, tu sais. Juste faire un shotgun, c'est un peu moins drôle, tu sais. Mais non. Toi, faut que ça vienne avec une blague ou. Ben, faut que ça vienne avec un party. Ouais, c'est drôle. Ça. Mais non, mais au début, mais je trouvais ça drôle de juste faire des shotguns tout le temps dans mes stories. Ouais. À l'infini, avec la même tune tous les jours. Oh, ça, ouais. Je trouvais ça hilarant, tu sais, que ça soit tous les jours. Puis là, mes chums commencent à être tannés d'entendre la tune. Puis dès que quelqu'un écoutait ma story, puis je mettais tout le temps les espèces de tunes full de bass. Ouais. Moi, t'es là, encore des affaires. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis finalement, ça m'a quand même aidé. Tu sais, je me suis ramassé. Ben oui, t'as dû avoir un bon gros fan base. C'est ça, tu sais. Ça a commencé avec une joke, puis ça a fini quand même drôle. Tu sais, à la fin, j'organisais des parties au trash bar les jeudis. Je sais pas si tu connais le trash. Ouais, ouais. J'avais les jeudis assis de billets avec ma copine au trash bar, que là, c'était ça la soirée. C'est ça le concept. Fallait casser des bières, puis ah ouais, okay, lancer des bières pour que le monde les shotgun, puis tu gagnais des billets de n'importe quoi. Ouais. Non, ça, c'était cool. Puis on s'est fait inviter aussi à pas mal de festivals. Santa Teresa, ça, c'était malade. Ah oh, ouais? J'étais à des places à cause que sur Instagram, je shotgunnais des bières, fait, finalement. Camille Chum, réellement, puis t'es comme, hey, ça n'a pas de sens, là. Il va falloir que tu slack la même story tout le temps. Mais là, finalement, j'allais à des places faire la même affaire tout le temps. Puis en tout cas, ouais. C'est quand même drôle. Là, non, ouais, Chris, ça t'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des portes, certains. On s'est ramassé avec les chums, je sais pas si t'avais vu ça. On s'était ramassé, j'ai gagné des bagues Post Malone, puis. Ouais. Avec Post Malone. Jouer au Beer Pong. Jouer au Beer Pong, tu sais, c'est le gérant dans le fond de Post Malone que lui nous suit sur Instagram, les chums, à cause qu'il trouve ça drôle qu'on fasse des shotguns. Puis justement, il a fait une vidéo avec la même tune que nous autres, ouais. Shotgunner des bières pendant qu'on s'est rendu là-bas. Comment que le gérant de Post Malone il est fait pour vous suivre? Mais aucune idée. C'est Vous l'as-tu dit après ou?
Non, mais c'est qu'il connaissait un de mes chums qui était tatoueur, que sûrement, il nous a rencontrés sur Instagram toute la gang, dans le fond. Mm-hmm. Puis il y en avait un qui était tatoueur, il allait se faire tatouer par lui, puis là, on s'est ramassé qu'ils sont dans au show, finalement. Ah ouais? Ouais, mais lui, ça fait une couple de fois qu'il y va. Là, moi, c'était la première fois qu'il m'invitait officiellement, mettons, au centre ouais. dans l'âge. Ça, c'est jet. Fait que t'as pu chiller avec Post Malone? Ouais, mais moi, ce que j'avais compris, j'étais... un parmi tant d'autres, tu sais. Puis quand on est arrivé dans la loge, il y avait juste comme nous autres. Mm-hmm. Puis Post Malone, puis son photographe. Puis là, j'étais là, qui? C'est pas un party, là. Il y a pas de... Oh, ouais. C'était spécial, c'était assez jet. Chris, c'est bien nice, ouais, ça, mon gars. Ouais. Puis là, la madame qui s'occupe de la sécurité est arrivée, puis elle était comme, ah, tabarnak. Pas de... T'as pas invité plein de monde qui vont, tu sais, tout briser ou je sais pas quoi. Puis là, ouais. Bobby, le gérant, était comme, yes, sir. Puis là, il dit, c'est mes chums de morale ici. Puis la fille est comme, OK, vous avez le droit de tout péter dans loge. Dès que vous sortez de la loge, vous êtes tranquille. Je veux pas avoir un ici qui fait de la merde à quatre pas dans le centre belle. Dans la loge, faites qu'est-ce que vous voulez, plus là, qu'est-ce que vous voulez, dans le sens de. Puis le gérant, justement, il pogne sa bière et l'eau, puis il verse sa terre. Puis dans ce sens-là, tu sais, on peut faire n'importe quoi. Donne vous avez le droit de la cochonner. Tu peux faire n'importe quoi. Tu sais, c'est quatre murs de béton, il y a rien à briser. Là. Fait que, tu sais, à la fin, je faisais du skate, c'est divin, puis. Ah ouais! Quoi. Ah ouais, c'est comme. C'est vas-y, c'est ta loge. Fait que, si tu... Mais dès que tu sors, c'est mieux d'être drette, par exemple. Ouais, il y a c'est d'autres ça. Artistes, il y a d'autres affaires. T'as invité votre rage site, là. Exact. Défoulez-vous ici. Si t'as le droit, dès que tu sors, t'as pas le droit. Mais non, c'était cool. C'est une bizarre expérience, tu sais. Puis quand tu fais des stories là, avec ce monde-là, justement, ou avec des grosses vedettes, là, t'as des chums du primaire qui t'appellent. Ouais, finalement, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah mais ouais. Je suis dans le coin à Montréal à soir. Ça se peut qu'il était comment, Chris. Ta gueule. C'est non, mais super chanceux d'avoir été là. C'est un peu random. Mais puis il est comment, Post Malone, dans la vie? Tranquille, je te dirais. C'est... En tout cas, sûrement qu'il était focus avant son show. Mm-hmm. Je sais pas trop. Ah, c'était-tu avant le show? C'était avant le show qu'on l'a rencontré. On a passé, nous autres, on passait la journée, dans le fond, avec le gars qu'on connaît. Puis on s'est ramassé dans la loge un peu avant le show. On jouait au beer pong avec lui. Puis il était super focus sur le show. Puis après le show, je pense qu'il était juste brûlé. Il n'a pas suivi au after party au bar pendant tout. Fait que... OK. Fait qu'il était plus chillé un peu après, mais... Avant, tu sais, on l'a chillé ouais. un peu avant puis après, mais finalement, c'était pas lui qui était le plus de partie. Ouais. Mais tu sais, je sais pas, il était rendu où dans sa tournée, s'il était brûlé ou... Ben oui, c'est ça. J'ai aucune idée. C'est ça. Chris a dit être malade, pareil. Hey, à soir, tu vas chiller avec Post Malone. Tu fais comme... Quoi? Ouais, c'était spécial. Ouais, t'as venu, tu sais, là... Lui? Mais c'est drôle, là. Je sais pas, c'était une bizarre expérience. Ben, mais c'est... Non, ouais, c'est nice encore. Puis, étais-tu bon au beer pong ou non? J'ai jamais gagné. Je pense qu'il a pas perdu une fois. Ah, oh, ouais? Ah, ouais, tu sais, puis là, il y a son. Ou c'est toi qui étais chié? Non, mais contre tout le monde, là. Ok, là, ok, ok, ok. J'ai okay. jamais perdu. Là, tu joues au King, là, tu sais, que t'as le gars sur la table, puis si tu te fais pas battre, tu restes là. Il a stallé là toute la soirée. Il était. Mais tu sais. Il a parti son affaire de beer pong aussi, World Star. Bon, ouais, pong, ouais, ouais, c'est ça. Puis il est bon pour vrai, là, tu sais, c'est pas. Il a pas fait ça pour le fun, là, c'est ça que c'était. Pas. Non, ouais. Chris, c'est cool. Toi, t'as pas participé à notre tournoi, mais c'est parce que c'était le dimanche, puis le dimanche. C'est la seule journée que je peux pas, c'est dimanche. C'est ça. Tous les dimanches. Mais là, vous l'avez recommencé ou ça a pas recommencé? Ouais, ça va recommencer ou on va essayer, je sais pas. Faudrait essayer de s'arranger de quoi parce que. J'ai l'impression que le monde voulait juste voir deux vedettes en train de jouer au beer pong ensemble. Tu sais, le tournoi, s'en calissait. Le monde se calissait un peu qui allait gagner. Ils voulaient juste voir qui se pogne contre qui, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il faudrait que je parle avec Orange. Puis, tu sais, nous autres, c'était bien drôle parce que quand on se pognait en live, les deux, on était chaudlettes, décalissés. Ça va vite, là, ben, ouais, ouais. Le tournoi de tout le monde. Là. Ben oui, genre, il était minuit. Moi, je faisais semblant de fourrer ma table, lui montrer sa raie. Tu sais, on était pété raide. Mais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, je sais pas, faudrait qu'on s'en reparle, savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Quand pis... tu veux faire ça en live sur Instagram ou faire ça ouais, en Zoom? Ouais, ou en... ouais, ben en live Instagram, c'était cool, tu sais. C'est cool parce que c'est pas compliqué, puis le monde ouais. Tu sais, j'avais pensé à peut-être des concepts aussi, tu sais, comme on pourrait se pogner contre, genre moi, Orange, contre des filles de OnlyFans, tu sais, mm-hmm. des affaires de même, ça serait drôle, là, mm-hmm. ça ferait un peu changement. Tu sais, on dirait que le monde aimait ça, le côté, tu sais, comme costumé, on se décalisse. Ben, c'est drôle, ben oui. Ouais. Au lieu d'être juste une game normale. Que là. Plus de le meilleur au beer pong. Tu sais, mm-hmm. je trouvais, là.
Puis, mais en tout cas, ça serait cool que t'embarques si on, les, on en repasse. Hein? N'importe à quand, si on fait dimanche. Ou ouais. Le dimanche après, c'est comme 3h30, je pourrais. Là, OK. OK. Ah, c'est ça, c'est parce que c'était trop tôt, toi. C'est ça, moi, je travaille sinon dimanche. Fait que ouais. Je pourrais le soir, mais là... On... OK. Je sais que ta blonde, Billy, elle avait... Elle l'avait fait une fois. Ouais, parce que elle était pourrée. À mes souvenirs, là. Mais en plus, je pense qu'elle jouait dehors, fait qu'elle doit pas savoir aider, là. Ouais, elle jouait dehors. Le vent. C'était déguisé en moi, je pense. Elle s'était fait une moustache, puis tu sais. Ouais. Parce que j'étais supposé le faire, je pouvais pas, puis elle était comme, OK, je vais la remplacer. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ouais, ouais je pense que c'était vrai de ça. Pis tu jouais. J'étais comme Chris, c'est long, tabarnak. Mais, hey, vous me faites vraiment rire, vous deux, là, ça. Comme, tu sais, les vidéos que t'as faites avec elle, tu sais, il y en a un, c'est comme le rêve. Tu sais, c'est genre à pause, pis de tout. Ah, c'est la dépression saisonnière. Ouais, 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 ça, c'est pas la dernière vidéo que j'avais faite sur Instagram, là. Pis là, merde, tu sais, à pause, pis tu es comme, hey, oh, il y a de la merde, tu sais. Pis comme, c'est quoi, tu veux pas m'inviter, ou je sais pas trop, là. Pis, mais j'essaie de faire. Parce que tout l'été, j'avais fait l'espèce de personnage de gars qui arrose son asphalte en short, pis qui fume des clopes toute la journée. Avec ta moustache. La, c'est ça, j'avais le look, tout le monde disait, fait que là. Ah, t'as tellement l'air d'un Chris de redneck. Fait que c'était un peu ça que j'ai fait tout l'été, pis là, c'était l'espèce de joke de là, on est rendu ouais. Dehors, pis là, je peux pas arroser mon asphalte, t'sais. Tu devrais faire une genre de web série. Ben, un redneck à Montréal, tu sais. C'est ça que je voulais faire, là. Ça a juste été comme 5-6 vidéos Instagram, mais je checkais un peu voir s'il y avait de quoi à faire là, si rajouter des chums aussi, puis faire vraiment comme une espèce de, mm-hmm. de petite histoire. Ça m'intéresserait bien gros faire ça. Genre une petite série, là. Mini, au pire, ouais. Juste un épisode d'une minute. Ouais. Pour mettre sur Instagram, quitte à faire une page Instagram juste de ça, puis mm-hmm. faire. De quoi de vraiment pas compliqué, là. Je sais pas si ça peut. Je sais pas si c'est un projet tant que ça. À chaque fois, tu le tournes avec ton sel, tu. Exact, ben simple. Ah ouais. Mon sel, ouais, t'as-tu une bonne caméra? Ou... Non, j'ai iPhone 11 Pro normal. OK. Parce que c'est. En tout cas, moi, je trouvais que c'était quand même bien fait, là, tu sais, puis ça se tenait, puis. Je me connais, si je fais ça dans une caméra, j'aurais jamais la motivation de tout mettre ça sur l'ordi, le monter, puis on dirait que là, je fais tout ça sur le sel, puis. Ah, tu... OK, tu le fais sur ton sel, ouais, genre avec un logiciel, une petite application. Sur iMovie, puis après ça. Ah ouais. Ou puis je mets ça sur l'ordi après pour plugger tout dedans, mais c'est mm-hmm. bien simple, vite fait, là. Dès que c'est trop de trouble, ça me. Tu sais, j'étais allé en voyage l'année passée, tu sais, tout l'été, puis tu filmes tellement. Tu dis, c'est sûr qu'il y a de quoi de drôle là-dedans, mais là, après ça, tu mets ça dans ton ordi, t'as 9 heures de footage. Tout le réécouter, c'est ça. Non, hein? Moi, c'est bien ben quick, puis... Un autre qui me fait rire, c'était la bière qui roule. Ouais, 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 c'est exact. Ça, c'est quand on avait été dans l'Ouest, puis je trouvais ça drôle, le concept, Non, mais c'est drôle, parce que, Chris, ça veut dire que t'as pensé à l'idée avant même de partir. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, il y a des vidéos là, un peu qui éteignent là, de... Du monde qui s'en va en voyage, c'est comme trouver l'amoureuse parfaite avec qui vous pouvez faire ça, pis là, ça coupe, pis là, ils tiennent la main de leur chum, pis là, t'as plein de beaux paysages, Dubaï, tac, tac, plein d'affaires. Ça m'avait fait très mal. J'ai dit, on fait la même affaire, mais tu sais, avec soit des paysages, on l'a fait avec des paysages pourris. Je t'emmène en Ontario! Ben, c'est ça, pis là, on met tout plein d'affaires, pis là, tant qu'à faire ça, là, après ça, on s'est dit, OK, mais on va faire la même affaire avec une bière, tu sais, qui va passer dans des paysages. Fait que c'est de même que t'as eu l'idée. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est de la job, pour vrai, quand même. Fait que là, on arrêtait, mettons, au lac Louise, tu sais, pis là, il fallait faire rouler une bière, après ça, il fallait prendre des photos, après ça, fallait faire. On avait comme trop d'idées d'affaires. OK. Mais en tout cas, sinon, ça a bien été, c'est. Trop de concepts en même temps, ça prenait plein de shots de plein de paysages pour à la fin. Mm-hmm. Mais c'est cool parce que tu fais ça avec ta blonde, puis. Ouais. Tu sais, vous êtes cute ensemble, même vous fitez bien ensemble. La journée que ça va mal aller, par exemple, on a un YouTube ensemble, on a, ouais, c'est on ça. A un TikTok ensemble, on a un Patreon ensemble, mais c'est mieux de durer longtemps. Ça va bien jusqu'à là, tu sais, pas supposé mal marcher, mais. Ouais. Il y a du monde que quand on a commencé notre chaîne YouTube, on a dit chaîne YouTube à deux, ça m'a pas mis à faire une chaque, puis. On était comme, non, c'est une bonne idée, j'imagine. Là. Ouais. Mais non, ça va bien jusqu'à date. Puis, mais pourquoi qu'il te disait ça, genre, au cas où que ça chie, genre? Ouais, mais je sais pas, là, tu sais. Mais c'est comme si toi, tu te fais une copine, tu vas-tu vraiment comme. Elle va faire ses affaires, tu vas faire tes affaires, là. Qui merge ça, tu sais, comme. Ben, c'est parce que vous commencez en même temps, c'est plus ouais, pour c'est ça. Ça. J'avais comme une petite chaîne qui servait un peu à rien avec des vidéos de skate, elle aussi, elle avait une petite chaîne avec ses affaires. Donc, on part de quoi à deux, tu sais. Ben, c'est ça. C'est pas.
tu sais, moi, je me partirais pas de quoi avec, si j'ai une chick, tu sais. Juste que t'es rendu trop loin dans le projet, Chris, podcast. Ben, m'abandonner ça, ce podcast de merde-là. Puis me voici avec Emily, tu sais. Non, non, mais tu sais, quand on a commencé ça, c'était quand même un... C'est quand même un risque, tu sais, aussi, que tout ce qu'on a bâti, mettons, si ça arrête, là, je fais quoi avec la chaîne YouTube ou je fais quoi avec... C'est comme on la jette, là, c'est fini. C'est... Ouais, ça serait ça. Ça serait ça. Ben, c'est ça que je me dis, ça sera ça. Puis j'en ferai pas d'autres, là. Non, ouais, Chris. Mais ouais, man, tu sais, ça... vous êtes cute ensemble, là, ça fit bien. Puis c'est cool parce que j'ai pas l'impression que c'est elle qui embarque dans tes projets ou toi qui embarque dans les siens. Plus que vous. C'est organique, ouais, ça se fait. C'est juste comme, hey, Chris, on fait ça, c'est drôle. Ben, c'est ça. Toutes les fois qu'on a des congés ou c'est... prochaine idée, c'est quoi qu'on fait, ou tu sais, tout le temps, moi, je pense à des niaiseries, ou mais là aussi de son bord, puis c'est... Mais quand tu dis, on est parti un peu en même temps, là, fait que quand on s'est rencontrés, les deux, on n'avait pas vraiment d'abonnés sur Instagram, puis ça a vraiment explosé le team, nous autres, c'est nous autres qui a fait que ça a fait quelque chose. Puis non. L'affaire de toi qui tient la main, puis qui avance. Puis tu sais, t'es habillé avec ton crop top, là. Ah oui, c'était beau dans ce crop-là. T'habilles souvent en fille, c'est ça? Des fois pour niaiser, ou t'aimes ça? Ça dépend. Ou toi, tu t'en calisses, il n'y a pas de linge qui a de sexe. Non, j'ai pas de sexe. Non, ouais. Pas mal de trois quarts des affaires, j'ai su, moi, c'est un court de fille, des peines de fille, j'ai pas de. Ouais. Parce que t'aimes ça serré, genre, ou parce que c'est... Non, j'aime ça le look. Ouais. Non, mais moi, j'avais un chum qui me disait que lui, il était obligé de pogner des affaires de filles parce qu'il aime ça skinny, puis les skinny d'hommes n'étaient pas assez skinny pour lui, fait qu'il pognait du linge de grande fille. Exact. Pour les pantalons, moi, c'est impossible de trouver des pantalons qui j'aime vraiment dans le côté homme. Puis même quand je travaillais chez Simon, c'est moi qui faisais les pantalons pour hommes. Mm-hmm. J'étais là. Il y avait le modèle skinny, tu sais, puis c'est comme, c'est zéro skinny, là, ça marchera pas, cette affaire-là. Puis là, je sortais des mesures, puis c'était comme, impossible qu'on fasse ça, personne rentre là-dedans. Puis là, j'étais comme, ben, oui, tout le monde rentre là-dedans, là, tu sais. Fait que là, j'achetais des pinces de fiches, là, ça sera ça, tu sais, pas chouette. Mais fait quand même longtemps, là, t'as comme sorti une nouvelle marque de merch. Ouais, c'est plus la merch qu'une marque, là. On va peut-être virer ça en marque, mais le projet, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, mettons, toi, tu sortirais juste du linge comme ton linge de beer pong. Mm-hmm. Avec Steph, là, t'avais juste sorti les... Ouais, un chandail. Ben, c'est un chandail avec un dessin dessus. Ben, c'est ça. Okay. Mais, t'sais, c'était comme... Ça, c'est de la merch? Ouais, un peu. T'sais. Okay. T'sais, je ferai pas de casquette ou de jacket ou il y aura pas un site web. Ou... T'sais, le but, c'était vraiment juste de faire un stunt. T'sais, on voulait juste... J'avais une autre marque dans le temps... avec un de mes chums, tu sais, c'était Porno la mort. Puis là, je trouvais ça triste de plus rien faire parce que là, ça chie un peu. Mm-hmm. Puis là, j'avais juste le goût de refaire un autre stun. Puis là, il y avait un des designs que j'avais fait dans le temps qu'on avait jamais eu le temps de sortir. Puis j'avais juste marqué fuck you aussi dans le dos. Ouais. Puis là, je disais, on le fait. Tu sais, finalement, on l'avait jamais fait, on va le faire. Puis ça a super pogné. Fait qu'on en a refait, puis on en a refait. Fait que là, ça va peut-être devenir une marque. Là. Je sais pas okay. trop. Mais là, à la base, c'était vraiment juste, on le fait une fois pour le fun. Parce que ça fait longtemps que tu. Que tu essaies d'en créer ou tu essaies d'en sortir. Parce que j'ai fouillé dans ton Instagram. Uh-huh. Tu avais sorti, à un moment donné, c'était Strange People ou Strange People. Loin. Ouais, non, j'étais allé checker. Pour mais j'ai tout le temps fait du linge ou tout le temps fait des projets. Ben, j'ai tout le temps aimé ça, faire ça. Puis c'est pour ça que j'étais allé en mode aussi. Mais là, le côté couture, c'est ça que j'aimais moins. Mm-hmm. C'est pour ça que je regrette quasiment d'avoir été en design de mode. Je conseille pas tant que ça d'aller. Étudier en mode, là, honnêtement, c'est que tu vas étudier en mode pour te faire une marque. Bien souvent, tu sais, trois quarts du monde, ils veulent un brand de linge, genre Vans ou quelque chose. Mm-hmm. Mais ça sert à rien d'aller étudier en design de mode. T'apprennes à coudre. Pas besoin de coudre pour aller. Tu sais, t'as juste ta cassette et deux semaines d'aller, mettons, en graphiste, d'apprendre à faire des logos, des affaires nice. Puis après ça, t'as juste besoin. Tu trouves un fournisseur de hood, puis tu le printes. T'as jamais besoin de coudre. Ou... Puis là, c'est comme ça que je fais. Là, on dirait que j'ai. Ouais. Tout faudrait que tu. Genre, t'as eu une coupe. Pour ben, il aurait fallu que j'aille en graphiste. Là. Je connais trop d'affaires qui servent à rien. Que, c'est... Bon, en tout cas, moi, cette technique-là, là, j'ai tellement chialé avec mes profs puis avec le... Ça n'a pas de sens. C'est la dernière année, mettons, en design de mode, c'est t'as un an complet pour faire ta collection finale qui est d'à peu près 5 morceaux.
tu sais, faut t'habiller deux personnes, dans le fond, pour le défilé. Fait que mettons jacket, pants, l'autre jacket, chemise, pants. Mm-hmm. Fait que c'est à peu près 5-6 morceaux. T'as un an pour faire ça. Puis moi, quand j'étais à l'école, je travaillais au Canuck, les manteaux Canuck. Ouais. J'étais couturier pour ça en même temps d'aller à l'école. Fallait que je fasse 30 manteaux par jour. Là, j'ai un an pour faire 5 morceaux. Je me dis, à la fin de l'après-midi, c'est fait, là, madame. Mm-hmm. On dirait qu'ils attirent le temps, là. Ils ont décidé, on va faire une technique, on va mettre ça 3 ans de temps, mais ça sert absolument à rien. Ah ouais. Tu sais, t'as un an pour faire 5 morceaux, puis là, comme, ben, tu fais une longue recherche, des tissus approfondis. Je suis là, ben, OK, mettons, là, ça va prendre 3 semaines. Quand même bien que je vais avoir un cours sur 5, ouais, là, ouais. Ça va me prendre un mois, madame. Je peux te rallonger ça peut-être d'une autre semaine, pour essayer de gagner du temps, mais. Mais c'est comme être tatoueur, mettons. C'est comme s'il y avait une technique au cégep pour devenir tatoueur. Tu n'en as pas vraiment besoin, tu sais. Ouais, une fois que bon, tu sais à base. Tente. Ouais. Vas-y, lance-toi, tu trouves. Faut que tu saches comme maintenant comment rentrer ton aiguille creux dans la peau, mais. Ben, tu peux juste approcher quelqu'un, tu t'approches un shop qui peut t'aider, t'es pas obligé de faire une technique de 3 ans, ça a comme pas de sens. Mais moi, tu sais, c'était la même affaire avec l'humour, tu sais. Exactement, t'as-tu vraiment besoin d'aller à l'école? Ben, tu sais, moi, je l'ai appris sur le tas, tu sais, puis. Tu sais, moi, avoir quelqu'un qui me dit, ouais, non, c'est pas de même, là, tu peux. Là, si tu sacs trop, là. Mais fait, ouais, mais je suis de même dans la vie. Exact. Tu vas essayer erreur. Tu fais des bars ou n'importe quoi. Même affaire. Si tu, fais, tu sors du linge, c'est dégueulasse. Le monde ne l'achète pas. Non, mais tu sais, c'est pas. T'es pas en médecine. Là, tu ne sauras pas personne de faire du lingelette. C'est pas grave. T'aimerais-tu ça, par exemple, m'emmener à avoir comme un chandail ou de comme une marque, mais comme avec une coupe, tu sais, faite par Max Blais ou. Ou c'est ouais, comme on un, regarde peu... un peu. On regarde un peu ça, justement, avec le projet. Là, on l'a appelé ça Fuck You ST parce qu'on pensait pas qu'en faire 1 million. Mm-hmm. Mais là, ça va peut-être rester ça. Ça a bien pogné. Puis si on va faire d'autres coupes, on regardait ça pour faire d'autres projets. Avec, vu que j'ai travaillé chez Simon, j'ai comme connu pas mal comment ça fonctionnait, tout ça. Fait que là, faire des jackets, j'aimerais bien ça commencer peut-être à grossir le projet. Là, je sais pas à quel point le monde embarquerait ou. Des jackets de cuir, genre? Ou... Coupe-vent, je ferais. Là, j'ai... Coupe-vent? Ouais. OK, comme les des années 90, genre? Ouais, peut-être. Écoute, genre un peu. Parce que ça, c'est en train de revenir à la mode. Là. Ouais, j'aimerais bien ça faire ça, mais là, si tu t'embarques dans du trouble, là, toutes les mesures puis tout ça, là, je retourne dans mes dossiers de Simon, tu sais, d'école, puis là, je suis là, c'est compliqué, là, c'est job à faire. Bien souvent, il faut t'en faire, tu sais, 500 si tu veux que ça soit rentable. Là, ouais. Vraiment 500 personnes qui veulent un couleur un jacket d'une couleur, tu sais. Non, c'est ça. N'est pas. Mais non, c'est facile de faire des erreurs quand tu fais du linge. J'en ai fait une coupe quand je travaillais, quand j'étais designer, justement. On travaillait en team de deux quand on était. Il y avait le designer graphique qui faisait les logos, je choisissais le dessus. Puis moi, j'étais designer technique qui faisait toutes les mesures, mettons. Puis on avait fait un col roulé pour Simon. Je sais pas comment d'exemplaires qu'il y en avait. Puis de dernière minute, elle change les tissus, mais moi, j'ai pas changé mes mesures. Elle m'appelle pas. Fait qu'on a reçu en magasin des milliers de chandails que la tête, elle passe pas. Ah. Parce que elle me l'a pas dit que le tissu, il s'étirait plus finalement. T'sais. Fait que là, t'es comme, attends, là, le boss vient cogner à ton bureau assez vite quand ça marche pas. Fait que là, c'est tout scrap. C'est, tu peux pas. Ah, c'est scrap. C'est scrapé. Il y a ça qui s'est passé. Il y a quelqu'un d'autre ici qui avait fait une chemise. Puis dans le dossier de chemise, elle avait juste marqué. Elle avait fait le dessin, tu sais, elle avait marqué bouton, bouton, bouton. C'est arrivé, printé, bouton, bouton, bouton. C'était écrit c'était bouton. Imprimé dessus, tu sais. Parce que le monde, ils savent pas ça. Mettons une paire de jeans pour envoyer ça à une usine. Tu sais, c'est un dossier. Il peut peut-être avoir. 300 pages, là, t'sais, j'exagère, mais t'sais, peut-être 200-300 pages là, de toutes les mesures, toutes les coutures, il faut que ça soit à temps d'affaires. Mm-hmm. Puis dès que tu fais une erreur ou tu oublies quelque chose, l'usine, ça sort 2 cents du pantalon à imprimer bouton au lieu de mettre un vrai bouton, ben, on va le faire. Ça, tu ben ouais. Le poursuivre. Ben, ton dossier était pas clair. T'sais, là. Ouais. Fait que des jobs en design de mode, là, c'est pas mal juste ça que tu vas avoir, t'sais, d'être le gars qui fait le dossier qu'il faut que tu te trompes pas. Puis là, comme de fait, moi, je me suis trompé une couple de fois. Mais ça, c'est pas mal la pire. Le t-shirt que la tête, elle passe pas dedans. Tu sais, ça reste ses étagères. Comment ça qui se vend pas, ce chandail-là? C'est mis popé. Tu l'essayes, tu peux pas le mettre. Tu pourrais y remettre en vente aujourd'hui. Couper au ciseau. Non, mais vu qu'ils peuvent pas l'essayer dans les cabines d'essayage. Ouais, exact. C'est ça, ça c'est pas remboursable. C'est non. Ben là, tabarnak. Ma tête passe pas. Ah, c'est le nouveau style.
que tu fasses des trous dans... puis tu le portes comme ça. Ça vient avec un masque. Ah non, ça, c'était pas fort. Quand... Tu sais, ça, tout à l'heure, je te parlais, maintenant de shotgunner des biens et des affaires de main. Tu trouves-tu que t'es comme... Tu sais, tu trouves ça drôle, mais est-ce que ça t'a comme été le côté désavantageux de ça? C'était comme pogné avec cette image-là? Un peu, quand même. Ouais. C'est... Ben, maintenant, ça me dérange pas tant que ça, là. Je veux dire, je suis le gars de party, mais à un moment donné, j'avais été... Tu t'assumes, là, tu sais. L'assume, tu sais, puis c'est un peu ça que c'est pour vrai. Je veux dire, je fais pas assemblant de shotgunner des bières. Non, non, c'est ça. C'est pas comme si c'était deux personnes différentes, moi sur Instagram, moi dans la vraie vie. Mm-hmm. À un moment donné, je me promenais dans un festival, justement, avec un méchant de gars qui avait écrit un livre, tu sais, puis là, c'est, le monde, il croisait, puis t'es comme, ah, c'est toi qui écris telle affaire, puis ah, c'est cool, t'écris super bien, puis moi, le monde qui me croisait, ah, t'es dans la scam, man, t'es un malade, man, pas de la vie. Fait que là, j'ai dit, ah, j'ai dit, on a pas le même genre. On choque la vie. On a pas le même genre de monde qui nous approche dans la vie spéciale, tu sais. Mais si ça me nuit, je penserais pas, je sais pas. Ouais. Mais tu sens-tu d'un fois, t'es comme obligé de caler. Non, des fois, j'ai l'impression que c'est le contraire, que le monde sont comme passe à d'autres choses. Tu sais. Mais OK. De ton propre fanbase ou de ton entourage? Les deux, mettons. Je sais. Ouais. Mais non, mais j'ai... non plus fanbase. Tu sais, que c'est... Mais c'est peut-être juste moi qui pense ça, mais que c'est pas vrai pendant tout. Là. OK. Mais tu sais, c'est pour un... C'est pas vrai, c'est pas... Tu sais, passe à autre chose, ben OK, je vais devenir écrivain. Tu sais, je vais devenir écrivain. C'est ça que c'était, là. Je vais devenir danseur de ballet jazz. Ouais, exact. Fait que, en tout cas, je sais pas trop. Mais ça m'a pas nuit jusqu'à la date. Je veux dire, là, je suis rendu, tu sais, à ton podcast. Mm-hmm. Je me suis fait inviter à une couple d'affaires. Ça m'a créé des jobs. J'ai fait des parties. Fait. Ben ouais. Puis là, la merge, comme tu dis, que je fais, qui va peut-être devenir une marque, j'aurais pas pu faire ça. Mm-hmm. Si t'as trois personnes qui te suivent, tous tes projets, c'est plus tough faire les projets. T'sais. Ben ouais. Mais moi, une autre affaire qui me fait bien rire sur Instagram, c'est quand que... c'est quand que tu chiales sur quelque chose, comme ton affaire de détox. Là, je t'avais même écrit pour te dire que ça me fait rire. C'était quoi? Il y avait comme des petites filles qui venaient. C'est juste ça. Mais ça doit être ça dans tous les magasins. Là, mais c'est juste ça. Des petites filles qui viennent brûler leur journée au complet dans le magasin pour acheter absolument rien. Puis te demander un autocollant gratuit rendu à la caisse. Là, t'es comme tac. Ça fait deux heures que tu m'as demandé de sortir toutes les paires de souliers en arrière, décrocher les t-shirts, puis jamais que ça va rien acheter. Puis le lendemain, touc, les mêmes filles qui reviennent. Ben, tu sais, le monde, ils viennent flander dans les centres d'achat. Il n'y en avait pas une qui avait fait un faux compte. Il y en a une, elle avait fait un faux compte. Pour dire que le gars du amnésia aussi est en couple avec moi. Ça n'a pas de sens. Ça... J'étais rendu en couple secrètement avec. J'ai aucune idée. Elle avait fait un faux Facebook de moi parce que c'était Otomi en couple avec elle. Ça, c'est des petites filles. Ah oh, ouais, c'est impossible là, que je sois en couple avec elle. Là. Elle avait 12 ans, moi j'avais 22. T'as l'air d'un pédo. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait des chums de filles. Des chums de filles. Ces chums de filles, ils venaient, puis des fois, ils n'avaient qu'à acheter des affaires. Ils me posaient des questions, puis j'étais comme, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Ouais. Puis là, il y avait des filles qui étaient venues, puis ben là, c'est toi qui vas nous amener au bal ou je sais pas quoi. Puis je vous amener au bal. Puis ben là, ouais, t'es le seul qui a un char, tu sais, dans la gang. Je suis rendu dans votre gang. Quelle gang? Je rien pas en tout, tu sais, là. Puis là, je pense qu'il avait allumé, tu sais, là, quand que là, il fallait que je les amène au bal ou je sais pas quoi. Que c'était pas vrai, pis t'es comme, ah oh ouais, ben en tout cas, attends un peu, je dis ça, c'était ici, c'était tout pas vrai. Je suis comme, qu'est-ce qui est vrai, là, là, no, pis ouais. Ça, j'étais là, tab, ouais, montre les photos, je suis comme, ok, c'est ça, là. Hey, tout a dû. Je comprenais rien, ça faisait moi des mois, je comprenais rien avec les filles, venaient me voir, j'étais comme, ok. Hey, t'as dû prendre un 2 en esti. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait à ce fille-là, y'a aussi. Tous tes amis à faire croire ça, pis des mois, je sais pas trop, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont avec moi. T'as l'air de quoi après ça? T'sais pas. Non, des jobs de centre d'achat, le rêve. Ah ouais. Puis. Des piles de chandails d'Iron Maiden. Ah. Est-ce que tu m'avais fait vraiment rire, là, tu. Quand tu pars à chialer, ou tu sais, t'as ramené souvent celle-là, quand tu t'en vas au DEP pour acheter de la bière, pis c'est jamais le même prix. C'est jamais mais tu payes le même prix. Mais tu payes tout le temps la même affaire. Puis c'est arrivé justement hier, pis c'était, là, c'était rendu 10 et 15. J'étais comme, oh, ok, là, c'est.
C'est élevé, là, cette fois-là. D'habitude, c'est 8 et 15, 8 et 54. Ça ressemble à ça, une 6 de Pabst. Ouais. Elle avait essayé le 10. Là. D'après moi, miaise. Je peux pas croire. C'est la même madame, hein? C'est la même madame tous les jours. J'achète une 6 de Pabst. C'est jamais le même prix. C'est malade. Même affaire au Tim Hortons. Tim Hortons, j'achète la même affaire, mais ça, c'est jamais le même sandwich. Des fois, c'est sauce ranch. Des fois, c'est chipotle. Je demande tout le temps... Un club Tim, c'est jamais la même affaire qui arrive. Ah ouais, puis c'est tout le temps la même caissière, tu pognes ou. C'est tout le temps la même affaire, c'est le même Tim à tous les matins, tu sais. Là. Est-ce que tu disais dans ta story ça, que t'arrives, elle fait même chose, tu dis ouais, un club Tim, puis c'est jamais la même affaire. C'est malade, tu sais. Mais ça, c'était à double tranchant, tu sais, quand la madame du Tim, elle sait qu'est-ce que tu veux. Ouais. Mais la dernière fois, j'ai le goût de prendre d'autres choses, mais elle est tellement contente de me dire. Le connais, hey, lui. Club, t'es mon avec body. Le moyen 2-2. Puis là, j'étais assez zéro, ça, je voulais. C'est mon body. T'es pogné, t'as plus le choix, là. Ouais. Mais ce genre de personnage-là, de chialeux, là, tu sais. Que... C'est moi pour vrai, ça, je pense. Ouais. Pour vrai. Non, mais c'est parce que quand tu pars, tu sais, t'as de l'air un peu d'un. Genre d'un ragassien, mais d'une autre génération, là, tu sais. Ragassien. Ouais. Ah, ben, tu sais, le personnage de Patrick Huard, là. Ah oui, là, dans le taxi. De... Ouais, okay, c'est okay, ça. Excusez, j'étais regassien. Regassien, mais il me semble que c'est ça son estime. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Parce... Ben, c'est ça, puis tu chiales. T'aimerais-tu ça le... en faire un genre de personnage, là, cette doule-là? Peut-être, mais c'est... Je sais pas si j'aurais assez de stock pour faire, mettons, des vidéos de ça. T'sais, c'est vraiment juste parce que j'arrive du dette puis ça coûte le même prix que j'arrive chez nous puis que je fais une run de 15 stories là-dessus. Ou... Ouais. C'est souvent sur le fly, là, j'ai pas d'idée. Tu ris des stories clichés du monde. Aussi, tu sais, là, les... mais c'est ça, mais... Stag 50 Cent, passe-tu vraiment 50 Cent? C'est vrai qu'on se ressemble au pilier. Mais je pense que c'est une des affaires qui a fait que ça... T'es un peu plus populaire, tu sais, parce que les stories du monde, c'est souvent, mettons... Tu regardes ça, le vite-vite d'une journée, c'est des screenshots d'une toune de The Weeknd. Après ça, c'est un boomerang d'une salade César. Puis, tu sais, c'est rare le monde qui parle à leur téléphone. Puis moi, on dirait que c'est. Je trouve pas ça bizarre, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas grand monde qui font ça. Juste, mettons, ça, là, chialer sur n'importe quoi. Puis, hey, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé un matin, est arrivé ça. Personne parle à son téléphone, tu sais. Fait que. Ouais. Tu sais, pour on dirait, moi, ça fait ça naturel. Je sais pas. J'ai pas l'impression de faire de quoi de spécial. Mm-hmm. T'aimerais-tu ça faire du stand-up? J'ai pensé full. Je sais pas, je pense pas que je suis si drôle que ça. On pense tout ça au début. Mais c'est que j'ai. Moi, sur un stage, je suis 0-0. Puis ce qui m'a surtout convaincu de pas essayer, c'est j'ai un ami humoriste, c'est Daniel Pinet, je pense. Ok, ouais. Puis en tout cas, on jasait cet été. Puis là, je commençais à être pompette un peu, puis j'ai dit, hey, mais ça, que je me regrettais à un moment donné d'une couple d'années de ne pas avoir fait l'école de l'humour ou d'avoir essayé d'être humoriste. Mais ça, il y a peut-être quelque chose qui est là, peut-être que j'aurais pu. Moi, tu l'as regretté. Puis mon gars, il dit, ben, il dit, garde. Il dit, moi, il n'y a pas de stress. Il dit, j'en ai un 45. Il dit, on te travaille un mois de temps, on te fait un 15. Puis il dit, on peut aller, là. Il dit, ah, j'en ai plein de spots, là, des places, c'est qu'on peut. On y va. Il dit, moi, je fais un 45, toi, tu me suis, tu t'ouvres, tu fais un 15. Puis là, j'étais là, okay. Ouais, là, on dirait de savoir que ça se peut. J'étais comme, oh, t'as bien raison, dans le fond, j'étais oublié ça. je l'ai pas. Mais 15 minutes, c'est vraiment beaucoup, là. Ben, c'est un 10 ou un 15, ça répète. Moi, je te dirais 5 minutes. Ça passe vite en tabarnak, tu vas voir, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, t'y vas, t'essayes ton affaire, tu décolles après, tu sais. Puis là, tu le sais si t'aimes pas. Là. Ben, c'est que j'ai l'impression que. Là, on dirait que je suis au courant que je pourrais le faire. Puis même avec, tu sais, peut-être pas avec toi, ou même, tu sais, j'ai d'autres amis qui sont humoristes que je pourrais peut-être faire un 5 avant eux. Mm-hmm. C'est comme moins impossible que ça l'était avant. Puis. Je pense que je l'ai pas, man. Non. Mais c'est le micro. Mettons, faire une story sur Instagram devant 20 000 personnes, aucun stress. Parler en vrai devant 10 personnes, là, je veux mourir. On dirait que je suis en secondaire 1 d'un oral en français, ça marche plus pantoute, là. T'as-tu déjà monté sur une scène, tu sais, faire de la musique? Ou... Ben non, c'est... Mettons, quand je travaillais au Trash Bar, justement, quand j'organisais les événements... Ouais, c'est ça, OK. On avait souvent... T'animes? Ben non, c'est ça. Non? Exact. Fallait qu'on anime, tu sais, qu'on monte sur le stage. Tu me laissais Billy faire. Je laissais à Billy toutes les fois. J'ai pas parlé une fois au micro. Ben, tous les jours qu'on travaillait, on avait soit une paire de billets pour les Canadiens à donner, un skate à donner. Puis là, fallait monter sur le stage. Hey, sur le gars, on fait tirer telle affaire. Lui qui fait je sais pas quoi, il va avoir l'affaire. Puis là, tu sais, fait foutu genre, c'est du crowd work, tu sais. Aucune fois. Moi, j'étais sur le stage. Je pensais des bières au monde.
Non. Je voudrais bien, mais je suis occupé. Puis tu sais, c'était pas quelque chose de stressant non plus. Le trash bar, le trois quarts du monde, c'est mes chums. Mm-hmm. Non, ça marche pas. Je n'allais pas en tout. Puis quand on a fait... j'ai fait une petite tournée avec les chums de briser 1000 bières en 5 jours. En tout cas, on a fait une tournée. C'était le Thousand. Big Thousand Shotgun. Ouais. Puis même affaire, à toutes les fois qu'on montait qu'on arrivait au bar, il fallait monter sur stage, juste dire « What's up, Drummondville? » Mettre le tu sais... En parler un petit peu au monde, ouais. Puis c'était le running gag. À la fin, tous les soirs, personne monte sur stage... Tant qu'Acide va pas sur stage dire au monde What's up, Chicoutimi, pis c'est sûr, c'est toi. Ouais. On reste tous dans le VIP, sinon j'étais comme jamais qu'on va sortir. Aucune chance. Non, ça marche pas. Fait que non, stand-up, je pense pas. C'est pas, c'est... Je sais pas si je serais capable de passer au travers de ça. On dirait que j'ai déjà fait le test là, avec une couple de fois. Là, ouais. Pas sûr. Ben, c'est clair que si en plus t'as eu l'occasion. Ouais, mais c'est ça, j'ai eu l'occasion de savoir que ça marchera probablement pas. Ben, une couple de fois. Ben, c'est pas que ça marche pas. C'est que tu veux pas monter sur scène. Mais c'est que c'est pas préparé non plus, tu sais, c'est juste des niaiseries ou genre, je sais pas. Peut-être qu'être vraiment rodé, avoir un 5 minutes de quelque chose, là, je serais comme, OK, là, je suis... Moi, ma première fois sur scène, c'était genre quand j'avais 15 ans. J'étais fucking thug. J'étais thug, là, en crise. Puis fallait que, genre, j'anime une affaire de show de rap, là, qu'il allait avoir, tu sais. Puis j'ai pris le micro, puis j'ai figé, là. T'as figé sur scène? Ouais, j'ai figé sur scène. Puis j'ai dit, hey, bonjour. Est-ce qu'on a de l'énergie à soir? Puis là, il y en a qui me crient, on est le midi, c'est une cave. Wow. Puis là, okay. Je faisais rien que savoir si vous écoutiez. Fait que, on a de l'énergie à soir. Puis là, je leur dis la même affaire, tu sais. Mm. Puis là, je fige, je suis comme, je sais plus quoi dire, man. Je vire, là. Je suis plus ben pantoute. C'est quelqu'un d'autre qui a pris le micro pour faire le reste après. Ah ouais, hey man, j'avais honte là. Asti que j'avais honte. Je voulais plus jamais remonter sur scène de toute ma vie. Ouais, ben c'est ça, je sais pas, ça a commencé un peu par écrire j'ai commencé par l'écrire plus comme parce que je faisais un cours, tu sais, puis là je l'écrivais puis après ça tu sais, c'était pas comme un gros step de tout de suite monter sur un stage. Tu sais, c'était comme ceux qui étaient dans le cours, c'était tout du monde qui vivait les mêmes angoisses que moi, qui voulait faire la même affaire que moi, il y avait la même passion. Fait que, tu sais, de jouer devant eux autres, c'était comme un bon entre-deux, entre rien foutre, puis jouer vraiment comme dans un spectacle. Là, fait que peut-être c'est ça. Tu sais, comme à Guess, je suis sûr que si t'avais 15 de tes chums en avant de toi, puis tu montais sur la galerie parler, tu serais pas stressé, là. C'est encore drôle, je sais pas. Ça va pas. Non. Toi, c'est drôle parce que t'habites crissement direct à côté de chez un de mes chums. T'es juste, j'ai passé en avant de chez vous une couple de fois et je le savais même pas. Ah ouais. Mais on habite vraiment proche. Puis moi, j'habitais juste à côté ici, comme là, 2 ans. Là, OK, fait. OK. Fait que je connais le coin. Puis là, on habite vraiment proche. On s'est croisés. Non, mais tu sais, puis là, j'ai catché en regardant tes stories. Tu sais, je passais dans la même ruelle. Tu sais, ta galerie, ton affaire de bois, ta clôture tout pété. Mais c'est ça, je pense que je fais trop de stories en avant de chez nous. D'après moi, il y a d'autres noms qui ont catché aussi que j'habitais. Chez le 2-3 semaines, j'étais arrivé chez nous, puis un gros tag à côté chez nous, What's up, Acide. Puis OK, là, ça commence à être. C'est ça. Ça commence à être creep un peu. Là, moi, dans mes lives, il y en avait un qui donnait le. Qui parlait du DEP là, qui est à côté. Là. Il disait, ah oh, ouais, je sais, t'es où, t'es proche de tel DEP. Là, ah ouais. Ben non! Tu sais, j'essaye de me mentir. Faut pas... Mais c'est bizarre, ça. Puis y a dans ma cour, il y a un building en arrière. Puis il y a quelqu'un qui fait une story. Puis c'est moi et mon collègue qui se fait dans la cuisine, qui se fait à souper, tu sais. Ouais. Là, ça fait juste zoomer sur moi. Puis c'est comme Fandit, Acide Blais, je sais pas quoi. Puis là, je sors dehors, j'essaie de voir c'est qui dans l'espèce de building en arrière. Puis j'ai juste écrit, qu'est-ce que tu fais, là? Ouais. Tagué chez nous. D'être, là, j'étais comme creep un peu, fille. Ben ouais. Puis j'étais comme, ben non, c'est hot, on t'a trouvé. C'est super pot. Ben ouais, c'est ça. C'est la même fille qui disait que t'as. Bon, j'imagine, elle m'a trouvé. Ça fait des années qu'elle habite juste en arrière de chez nous. Puis elle a continué sa manderie. Elle fait, non, on s'est jamais laissé. Check ça, on se fait souper présentement. Ouais. Au travers de la porte patio. C'est tout des montages qui collent ta face. Ou toi avec Billy, puis elle a mis sa face dessus. Mais ça refait de faire les seins.
C'est moi ça. Ça fait combien de temps que tu sors avec Billy? Ça fait, c'était 2018, ça fait 3 ans. Ouais. 3 ans fort. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, on participait au même défilé. On faisait le défilé pour les finissants de la salle en design de mode. OK. Puis les deux étaient mannequins là-dedans, on s'est rencontrés. Puis là, on s'est pas faut le parler cette soirée-là, mais on s'est ajouté sur Instagram, tu sais. Puis là, elle a vu que là, je faisais juste casser des bières en malade. Puis c'était une bonne soirée, tu sais, le lendemain. Là, j'étais motivé, là, j'avais des défis là, de, je sais pas trop. Là, j'avais mon chum de gars, il s'était acheté un katana. OK, dans la même soirée. Le lendemain, tu sais. Ah, le là, lendemain, on s'est ajouté sur Instagram, OK. Comme le lendemain. Ouais. Je faisais une story pas possible avec les chums. Puis là, elle m'a juste écrit, puis elle a dit, je peux pas mourir sans avoir au moins cassé une bière avec un katana. J'ai juste texté l'adresse, puis 5 minutes après, ça cogne à la porte. Puis je dis, venu pour vrai. Ah, OK, t'es motivé. Ouais, motivé, puis ça a pas décroché. Là, mais ça a déboulé cette semaine-là. C'était épouvantable. Il y a eu ça à ce point, à cette partie-là. Le lendemain, je pense, je m'étais fait inviter VIP à je sais plus quel show. Je suis comme, tu veux-tu venir? Puis il y avait comme des événements toutes les soirs. Ah, oh, OK, qui donnaient des occasions. Ouais, pour c'est ça. Que ça a juste vraiment été trop nice. C'était pas comme, tu viens-tu écouter un film sur Netflix chez nous? J'avais tout le temps de quoi que je pouvais l'inviter. Ouais. Fait que là, j'avais l'air jet set, là, c'était malade. Puis en même temps, c'est crissement plus nice que. Tu sais, c'est cool, là, le film chez eux, là, mais. C'était moins, ça a juste à donner weird. Ouais. Ça a fait. Ouais. Non, c'était super cool. Tu sais, t'as bien plus le temps de connaître quelqu'un ou de... en faisant une vraie activité c'est avec. C'est moins gênant. Les ouais. Tu aussi, tu sais, on s'en va dans un festival, puis il va y avoir plein de mes chums, tu peux inviter tes chums. Ouais, on c'est s'en ça. Rejoint là-bas, puis. Ouais. T'sais, fait que non, ça a vraiment bien fait, puis c'est, ouais. c'est. Non, c'est pas lâché depuis ce temps-là, puis c'est vraiment cool. Moi, j'ai comme la mauvaise pensée que, genre. Que quand je mets des stories, soit que je suis scrap red ou je raconte des anecdotes comme j'étais tellement sous, me suis pissé dessus. Des enfants de même, que les filles vont faire comme. Arc, c'est un Instagram, tu parles de. Ben, moi, tu sais, moi, je suis moins. Ouais. Tu sais, je me cache pas de qui que je suis. S'il y a de quoi que moi, je trouve drôle, ben, je vais le compter. Tu sais, puis. Fait que, tu sais, quand je mets des enfants de même ou que. Tu sais, mettons, quand j'avais compté ça à sous-écoute, que. Genre, man, je me disais que je m'avais endormi, mais pis c'est tu. Puis, genre, j'avais mis la faute sur le taboulé, là. Je okay. disais que c'était le taboulé. Ah, non, c'est pas de l'urine, c'est de la taboulée. Ouais, okay, là, ouais, c'est quoi tu parles. Fait que là, je racontais cette anecdote-là, puis j'ai tout le temps, là, ça, la mauvaise pensée de me dire, hey, man, si une fille winner, tombe ça, là-dessus, là. Mais finalement, il y en a qui ont le même sens d'humour, là, tu sais. Ben, c'est ça que t'es, au final, tu sais. Ouais. Tu serais une blonde, tu serais de même, là. Moi, non, et ça, exact. Mais, tu sais, d'un coup, tu vas essayer de bien paraître ou de. Tu sais, pas tout de suite, comme. Tu vas essayer de mettre un peu de chance de ton bord. Mais en même temps, c'est vraiment, je pense, la meilleure façon de rencontrer quelqu'un, c'est de montrer quelle personne que t'es dans la vie de tous les jours, là, tu sais. Ben, clairement, tu sais. Ouais. Ouais, c'est sûr que tu t'enlèves un peu de chance d'un fois si. c'est voici maman, papa, voici le gars que j'aime qui va fonder une famille avec. Toi, t'en veux-tu des enfants? C'est quoi que tu penses? T'as quel âge, toi? 28, là. T'as 28? Ok, t'es un petit peu plus jeune que moi. Moi, j'ai 28, puis Billy a 22. Fait que là, comme pas mal plus jeune, elle est pas là pendant tout, tu sais. Tabarnak, je pensais qu'elle avait genre ton âge, si. Non, 22, fait que là, elle vient de rentrer à l'université, fait que là, c'est pas un projet. On habite même pas ensemble, fait que. Okay. C'est vraiment pas dans le projet. Tiens. Mais non, comme tu disais, de rencontrer du monde, quand j'ai rencontré Billy, peut-être 2 semaines après, j'avais viré une sacrement de brosse au Dunbee, c'était le festival Mode et Design, puis j'ai passé dans une ruelle. Puis, il y avait juste mes shoes qui dépassaient de la ruelle, tu sais. Puis j'avais des. En tout cas, j'avais les mêmes sujets, tout le temps bizarre. Puis là, elle te cherchait? Non, elle savait même pas. Elle était dans un bar, tu sais, avec ses chums de filles. Puis là, elle passe, puis là, elle fait comme. C'est trop drôle, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dort dans la ruelle. Et ça ressemble aussi à mon chum. Puis là, elle est comme tabarnak, c'est pas mon chum. Tu sais, ça fait 2 semaines qu'on se connaît, puis elle est comme sacrament, qu'est-ce que tu fais là, à terre, là, ça fait 2 semaines. Ah ouais, elle m'a connu fort d'une shot, là, tu sais. Là. Ça passait ou ça cassait pas mal ce soir-là, là, comme moi. Elle a réussi à me mettre d'un taxi et tout, là, tu sais. Moi, je me réveille chez moi comme si de rien s'était passé. Méchante soirée hier, j'ai pas le bout là, entre les deux aussi. Puis tes chums te cherchaient, c'est ça? Ouais, mes chums me cherchaient parce que ben, là, j'étais plus là, tu sais. Non, ça c'était. Ça te fait-tu peur, ça, ces brosses-là? Ça arrive pas souvent que je blague. C'est peut-être arrivé deux, trois fois. Ah, tabarnak! Moi, ça a été à chaque semaine,
À chaque semaine. Trois fois par semaine, à chaque semaine. Trois fois par semaine, ouais, à chaque semaine. OK, c'est pas mal. C'est ça, moi, ben c'est parce que moi, une fois que Drunk Jerry embarque, il veut plus s'en aller. Mais, fait que je bois, puis tu sais, je suis une main, puis je bois, tu sais. Mais Blackout, que tu travailles pas à bonne place, ou Blackout, juste tu te souviens pas, il te manque OK, là. ouais, c'est ça. Ben, il manque un bloc de genre 2 heures en montant, tu sais. OK, ouais, ça peut être plus aussi. OK. Là, tu parlais genre des aventures de. Je travaille pas à bonne place, là, c'est, il me manque un bout, là. Ouais. Tu comprends pas ce qui s'est passé, là. Une couple de fois. Je sais qu'à un moment donné, je me saoulais avec Mike. Puis Mike Ward. Okay, puis j'étais en train de boire avec lui, tout était cool. Puis le lendemain, il me réveille chez nous. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Où il y a un esti de gros tas de vomi à côté. Je suis comme, tabarnak, je l'ai bien échappé. Puis là, je l'appelle pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Ah ouais, puis il disait que j'arrêtais pas de l'écœurer parce qu'il m'a dit qu'il était. Il y avait des origines irlandaises. Fait que là, j'arrêtais pas de faire ça avec lui. Ah ouais! Viens te battre! Viens te battre comme un Irlandais! Fais de profil! fais honneur à tes racines! Je sais ça de même! Puis il trouvait ça drôle, là. Il trouvait ça drôle en mort. Fait que moi, I guess, ça a dû me donner du jus. Ça motivait. Ah ouais! Tabarnak! Ouais. Et ça, là, tu m'avais amené un petit cadeau, tu me dis? Ouais, mais c'est ça, mais je t'ai pas donné grand-chose. J'ai acheté le cadre, j'ai fait le dessin qu'il y a dedans. Non, j'ai fait un petit cadre, tu sais, parce que j'étais tatoueur dans le temps. Puis là, t'en fais plus, là, de non, tatou? C'est ça, à cause de la pandémie, ça m'a un peu donné... Ouais! Ça a un peu coupé le projet. Ben, c'est que printemps passé, ça a été arrêté pendant tellement longtemps, il a fallu que je me retrouve un autre job. Mm-hmm. Puis là, quand ça l'a réouvert, je suis parti dans l'Ouest pendant un petit bout. Puis là, ça vient de refermer. Fait qu'on dirait que j'ai juste même pas eu l'occasion depuis un an de comme retatouer. C'est pas que je veux plus en faire, c'est que ça a vraiment pas donné. Mais il est nice en crisse, là. Merci, c'est une petite affaire que j'ai faite. Puis là, après ça, j'ai pensé, j'arrête de dessiner ta face, essayer de faire une caricature, quelque chose. Juste pas... Ça, c'est-tu fait au dessin ou c'est genre comme, mettons, dessiner sur l'ordi? Ou... Ouais, c'est ça, je l'ai fait à la tablette. Puis, OK, à la tablette, ouais. OK. Mais tu dessines bien, man. J'essaie. Ouais. J'arrête peut-être. Là, c'est plate, tu sais. J'ai... À cause de la pandémie, ça fait quasiment un an que j'ai pas tatoué, mais avoir su, tu sais, c'était cool quand même, là. C'est un peu... C'est une job poche, dans le sens que moi, j'haïssais avoir des devoirs, puis quand tu tatoues, soit faut que tu fasses des dessins pour essayer d'attirer des clients, ou soit tu prends un client qui dit, ben, je veux un tigre avec un affaire dessus, puis faut que tu y fasses, tu sais. Fait quand tu finis de travailler ta journée, ben, faut que tu fasses des dessins des autres, faut que tu... Tu sais, t'as comme okay. Tout à mes devoirs. Ça m'énerve, là. Moi, je peux-tu arriver chez nous, puis juste... Ouais, décrocher, là, tu décroches jamais, là. Tout le temps, tu dessines. Tout le temps... Si tu fais rien, y a personne qui va t'appeler, là. Ouais. T'as pas de nouveau dessin, y a pas personne. Mais penses-tu, c'est comme juste au début que c'est pas mal de même, puis après ça, tu peux prendre un peu plus de lousse, vu que ton nom, y est plus fait? Ou... Clairement. Moi, j'ai des amis qui font juste plein de flash, t'sais, plein de dessins, puis choisis un là-dedans, that's it. Il y aura pas de... OK, ouais, ouais. C'est ça, puis c'est tout. Il y aura pas de... Je veux ma grand-mère avec, tu sais, je sais pas quoi. Il commencera pas à faire un dessin. Ouais. Ça, c'est un peu le rêve, là, pouvoir faire ça. Là. Ouais. Mais non, j'étais pas rendu là pendant tout. Là. Moi, il fallait que je fasse des dessins qui me tentaient pas, là, de faire un palmier, puis le recommencer 75 fois, parce que la fille, elle trouve que les fleurs, tu sais, c'est épouvantable. Moi, le recommencer des dessins 6 milliards de fois, là... Puis ça, c'est vraiment vrai. Pourquoi la fille, elle arrive, puis j'ai fait son palmier. Puis c'est correct. Tout, je lui montre sur Instagram, elle arrive à chat. Ouais, j'ai oublié de te dire, je l'aime le palmier, mais pas tant. Là, je suis comme, OK. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux, plus grand, plus petit. T'aurais pas pu me le dire, juste avant. D'autres choses. Un palmier, mais pas celui-là. Puis là, je peux pas en dessiner 1000. Là. Comme, ben, dessine-en, mettons, tu sais, 10, 15, puis viens me revoir. Je suis comme, j'ai-tu vraiment le temps? Là, j'ai un autre rendez-vous dans 2 heures là, pour dessiner 10, 15. Hey, là, je faisais des palmiers, tu sais. Des plus petits fleurs, des plus grosses branches. Là, ouais. T'as un palmier. T'sais, ça ressemble tout le temps à un palmier. Non, ouais, mais tu j'en ai des chums tatoueurs, là. Puis délai avec des clients, c'est de la calisse de marde. Ben, c'est épouvantable. C'est, le 3/4, c'est du monde nice, mais quand t'en pognes un. C'est ça. Qui stick, là, au bonheur, qu'il change de place 9000 fois, là. C'est l'enfer. T'aimerais pas s'en faire chez vous, genre, ou de quoi de moi? J'en avais fait, mais c'est comme pas fou le recommander de faire ça chez vous non plus. Tu sais, c'est ouais, tatouage. C'est pas hygiénique. J'ai des colocs aussi, tu sais, pour ramener des clients chez nous. Ouais. Les colocs, ils ont-tu vraiment payé pour ça, là, tu sais, que moi, je ramène du monde à la maison.
Mais quand j'ai commencé, là, je l'avais fait un peu. J'ai peut-être fait 4-5 tatous. Là, tu dis ton garage ne sert à rien. Ouais, wow, le tatou d'un garage. Là, j'ai l'air d'un. Là, j'ai l'air d'un pourri, là, avec la moustache. Ouais. Le gars qui tatoue dans son garage. Ouais. Deux. En train d'arroser son asphalte. Deux gallons de gaz, quelque chose. Mais quand je tatouais chez nous, quand je à l'hiver, il fait frais de tête. Là, c'est épouvantable. C'est permafrost à grandeur, là, mon. Mais non, j'ai tatoué une couple de fois chez nous quand j'ai commencé au début, parce que là, j'étais pas encore dans un shop. Puis là, j'avais fait le tour de tatouer une chaîne de gars. Fait, mm-hmm. Je pourrais peut-être prendre des clients ici. Puis, tu sais, j'ai quand même un peu un nom sur Instagram, pas vraiment, mais tu sais, assez que la fille, elle voulait pas partir. Je finis de tatouer, puis je suis comme, OK, cool, ça va faire whatever, 100$. Bonne journée. Puis elle est comme, ah non, mais c'est pas grave, j'ai rien à faire après. OK. Oh. Mais je dis, mais moi, oui. Un peu comme groupie. Elle voulait pas partir. Il y avait rien à faire. Elle restait. Puis là, c'est une blonde. Ouais, non, mais c'est une cliente random. Là, ouais. Moi, je suis comme, non, je te jure, j'ai rien à faire, tout. Elle s'assit. Là, je commence à être insistant. Puis va vraiment falloir que tu. Ça cogne à la porte. Sa chum de fille, elle rentre. Hey, t'as pu venir, Sophie, tout. Elle a de la bière, tout. Puis là, ils sont comme, ils faisaient des stories. Présentement, dans le salon, j'ai assez de blé. Si vous faites ça, là, c'est là. Tu colles. Non, c'est ça. Fait que j'avais l'impression des fois que le monde voulait plus se faire tatouer pour venir comme chiller. Il arrivait avec une dose, puis il semblait faire un party. Ça m'écrivait, hey, je vais descendre, là, j'ai trois taux de tatou, je vais amener mes chums de gars, puis 24, ça va être malade. Non, ça sera pas malade. Ouais, là, ouais. Je travaille. Là, hey, moi, tout, c'est ça, un peu le Chris, l'envers de la médaille, le deuxième côté de la médaille, là, de. Mm-hmm. Tu sais, de boire, puis d'afficher que tu bois, c'est que, tu sais, ceux qui sont partés, c'est cool. Mais tu sais, ça veut pas dire que t'es party, que moi je suis party. Là. Ça veut pas dire qu'il est vendredi. C'est pas ton ami. Là, ben, je veux dire, moi, si tu moi, connais pas. Ouais. Là, et... Moi, je suis bien chum avec comme tout le monde. Ben, moi aussi, à un moment donné, t'es rendu chez nous puis t'amènes une dose. Ben, c'est je ça. Je sais pas t'es qui. C'est là. Too much, ben raide. T'amènes tes amis en plus. Ouais. Là, non. Moi, des fois, je faisais. Ben, au début, je faisais mon live avec mon cell. Puis là, il y en a qui vont. Hey, JRSD, il est en live. Est-ce qu'on va l'appeler? Mais là, ça fuckait tout mon live. Je le faisais avec mon cell. Puis tu sais, il m'appelait genre avec Facebook, là, tu sais, le Messenger, là, tu peux appeler le monde. Ouais, ouais. Fait que là, tu sais, ça fuckait tout, tu sais, puis j'avais pas donné mon numéro. Là, fait que là, dans l'air, j'étais comme, là, tabarnak, là, je suis de m'appeler, quoi. Je suis pas encore ici. Ça donne quasiment goût à tout le monde de t'appeler. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça me mettait en tabarnak? T'en as-tu, c'est quoi tes pires anecdotes de bras? C'était-tu la pire, celle-là? Celle avec tes... avec les choses... Tes deux, ouais, tes deux choses qui dépassent. Ben, il y en a tellement... J'en ai des anecdotes, mais le trois quarts, ils se racontent pas ici. Ou ben non, c'est du monde qu'il faudrait pas que je le dise. T'sais. Ouais. Mais quand t'es excité avec les boys, ça, c'était tout le temps des corrects. Là. Celle-là que ça a commencé avec vomir dans haut doigt. Ouais. Parce qu'on demandait des défis. Puis là, comme de fait, moi, vu que j'étais comme reconnu pour shotgunner des bières, mais là, on était aux States. Clairement, le trois quarts des défis, c'était blé, shotgun une fois loco. Ouais. Moi, je suis pas un faible, certainement, que je me shotgun une fois loco. Hey, man, ça devrait être dégueulasse. Ouais, ça frappe, shotgun une fois loco. Ben, man, c'est comme tu chuggais une bouteille de vin. Là, puis, pas sûr, mais mes sens sont plus grosses aux States. C'est des bonnes tall cans. Ah oh, ouais? Ouais, ils sont mal commodes, ces tall cans-là, avec des saveurs dégueulasses. Ouais, 11.99. Ça goûte quoi, gold, là, tu sais, là? Ouais. Puis là, je me craque une fois loco. Là, après une, t'es parti. Là, il y a d'autres défis. Le blé, shotgun deux fois loco, certainement. Fait que là, hey, je pense j'avais shotgunné deux, trois fois loco. J'étais brisé en deux. Ça, c'était. Puis il y avait une convention de tatou. Ah ouais. C'est à cause de toi qu'ils l'ont enlevé, ce style bien-là. C'est du monde comme toi ici qui chug des forts locaux. Puis là, ouais, ça fait des comas éthyliques à l'hôpital. Pas fait pour chugger. Puis après ça, t'as juste le style des ducalcool qui vont prendre un cas. Un ah ouais, cas je comme toi. L'exemple à pas faire. Puis fait comme, regardez, c'est ça qu'ils font les jeunes. Mais non, ça, c'était correct. Mais c'est ça, il y avait une convention de tatou là-bas. Ouais. Là, on s'est dit, avant que je sois complètement brisé, ça fait le coup, on s'était dit, on y va, on avait acheté nos billets, tout, on se ramasse là, mais là, j'étais pas tenable, tu sais. Puis là, vu qu'on est tatoueurs, mes autres chums sont tatoueurs aussi, là, il y avait du monde qui nous reconnaissait dans la place. Ah, les gars de Montréal, tout. Moi, je tombais partout dans tout le stock de tatoueurs à tout le monde. Ouais. Il y avait un kiosque de hot dog, je lançais de la moutarde, j'étais, il a fallu qu'ils me sortent de là. Mais ça, c'était une pas pire, ça. Ah, oh, parce que t'étais trop pété? Complètement cassé, je me souviens d'absolument rien. T'es malade. Là, les fins de semaine à Atlantic City, là, ça c'est hot. Là. Ouais.
Tu penses-tu des fois s'il y a des jeunes qui te regardent et qui veulent faire pareil comme toi? Ben, clair, j'imagine. Je sais pas. Je pense pas. Parce que moi, tu sais, je me pose souvent la question. Parce que des fois, moi, c'est arrivé qu'il y en a qui voulaient venir à mes shows, faire comme « Hey man, j'ai 16 ans, là, j'aimerais ça venir, parce qu'ils vont-tu carter? » Je fais « D'où tu t'as 16 ans? Pointe-toi pas, là, tu sais. Ouais, ouais. Je suis super flatté que tu m'aimes, là, mais, tu sais, les affaires, je dis « À 16 ans, t'es trop influençable. T'sais, point, c'est 18 ans et plus, mon gars. Hey, sorry. » Tu sais, c'est le temps ça que c'est. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a des jeunes qui me suivent comme ça non plus. Puis tu sais, à quel point. Tu sais, je veux dire. Mettons, je m'en vais à Atlantic City avec mes chums, puis on vire une boîte. Tu peux-tu vraiment aller à Atlantic City avec les chums, vire une boîte? Tu sais, je veux dire, j'influence quoi dans le fond de comme. Ouais. Je sais pas, là. Je sais pas, je fais pas des jackass, je suis pas en train de me taquer quelque chose. Ouais. Non, mais c'est du. Entre ça, puis je sais pas. Ouais, mais en même temps, Chris. C'est pas des affaires de danger. Ouais. Là, on fait des parties. Je sais pas. C'est ça. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, c'est. C'est genre. Je suis pas une gardienne, là. Quoi? Non, je sais pas. Tu sais, c'est surtout ça aussi, là. Tu sais, elle m'a amené, c'est comme, ben, gars. Je suis désolé, mais, gars, si tu l'auras la conversation avec ton enfant, là, tu sais, si. S'il est influencé à vouloir. Mais, tu sais, là, ça, c'est les. Tu sais, là, c'est parce qu'on parlait des pires affaires que j'ai faites, et on parle de blackout puis tout, parce que là, on est ici, mais en tant que tel, là, tu l'as vu, mon Instagram, là, c'est des vidéos de moi qui arrose mon asphalte, puis qui niaiserait avec ma blonde. C'est ça. Trois quarts du temps, c'est juste des vidéos de skate ou des affaires. Ouais. C'est pas. Mais maintenant, c'est plus ça, c'est ça. Ou ça a tout le temps été de même. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai l'impression, quand j'ai commencé à te suivre, c'était beaucoup de chuggage de bière. puis avec de Darude, puis des affaires de main, mais maintenant, on dirait que. Moi, j'ai peut-être pas une dérape un peu. Non, mais on dirait que maintenant, ben là, tu sais, c'est sûr, avec la pandémie, ça n'a pas dû aider, là. Mais c'est genre, il y a des sketchs, il y a des. Il y a toi qui chiales, tu sais, c'est comme plus diversifié, genre. Ce que je faisais avant, j'ai l'impression que je faisais ça, mais en story. Je faisais des sketchs en story avec mes collègues, tout, puis c'est tout parti. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte à un moment donné, ben là, on regarde mon Instagram. Puis il est nul, là, c'est juste des photos de moi et qu'on s'en sac un peu. Puis si tu vois pas mes stories ou si tu me connais pas, t'es pas au courant que c'est ça qui se passe. Fait que là, c'est pour ça que j'ai commencé à vraiment, à la place de faire justement un sketch avec Billy ou mes chums de n'importe quoi, ben là, je vais le filmer puis je vais le poster à la place de juste le faire en story puis que ça se perde, tu sais. Ouais. Que j'avais jamais pris le temps de faire ça avant. Je me disais, hey, le monde checkera mes stories, c'est tout, là. C'est ça. Qui le cave, faire du montage. Mais en même temps aussi, tu fais du. C'est un peu du vlog, genre, avec ta chaîne YouTube. Parce que tu vlogs aussi un peu. Ouais, plus vlog que d'autres choses, tu sais. Parce que c'est des fois. On comme... part à quatre parts, on s'en va, puis une fin de semaine à telle place, puis là on fait un vlog de tout ça. Ouais. Puis aussi des. Genre des. Vous allez à Sac, puis vous essayez toutes les cannes de merde. On a toutes acheté les cannes de la Sac. Il y en a pas tant, hein. Moi, je me suis dit. Parce qu'on l'avait déjà les fait. Les deux, vous avez votre soute. C'était venu pareil, genre. On l'avait déjà fait au dépanneur, acheter comme. Tu sais, des tests, c'est quoi qui se gueule le mieux au dépanneur. Ouais, wow, puis vous avez un livre. Vous avez... On a le manuscrit. Le manuscrit, excuse-moi. Excuse, je veux pas t'insulter. Mais non, c'est ça, j'ai dit. Idée de génie, on achète toutes les canettes qui se vendent à SAQ, puis on les shotgun toutes pour les tests. Puis on arrive à ça, il y en a pas vraiment. Il y a une coupe de bière weird, puis 2-3 vins, le barefoot, puis ça fesse, par exemple, là, quand tu fais ce... Ouais. Shotgunner du vin, après ça, un mot de clamato, après ça, un autre ça affaire. Ça doit lever le cœur. Ouais, hein. C'est spécial. C'est une soirée bizarre. Moi, je trouve ça dégueulasse. À base, je trouve ça dégueulasse, ce genre de boisson-là. Mais c'est comme un shooter, tu sais, tu le casses, fait que tu sais... Tout te rentre, après ça, tu sais... Lesquels-vous tout au complet, genre, ou... Ou tu sais, il y a une bonne partie qui tombe aussi? Moi, j'essaie 100% du temps de lesquels. Je réussis pas tout le temps, mais j'essaie à 100% au maximum. Puis là, elle s'essaye un peu moins, je te dirais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, vous faites... vous avez quand même une chaîne... Ah, j'ai regardé celle aussi avec la Mustang. Ah ouais, c'était beau, ça. La Mustang, c'était drôle. Que la peinture, le vidéo de skate, tu parles? YouTube. Quand ta peinture. Sur YouTube, quand tu... OK, mais c'est ça. Moi, ouais, ça, je me suis fait donner une Mustang.
Ben non, c'est que tu as fait un GoFundMe. Exact. C'est pour ça. Acheter le GoFundMe pour avoir un Mustang. Tu as réussi à avoir 1700$, c'est ça? Moi, ouais, c'était 1775$. La Mustang était 1500$ plus taxe. Tu sais, j'étais arrivé flush. Là. C'était comme une pièce près. Là. Okay. J'étais là, wow. Tu sais combien de temps tu t'avais pris d'avance pour le. Ah, c'était long, ça. Ça avait comme pris 6 mois de GoFundMe. Là. C'était pas payant pour toi. Moi, je pensais faire une joke. T'sais, si tout le monde donne une pièce, à la fin de la journée, j'ai une Mustang. Puis là, finalement, ça a étiré. T'sais. Mais ça a comme fait un 1000$ à une journée. C'est rien passé pendant 6 mois, puis j'avais 1000$ qui traînaient d'un GoFundMe. À un moment donné, j'ai fait comme, OK, je leur donne un boost, j'avais fait faire 3 cotons wattés, okay, j'ai fait tirer à tout le monde qui donne 10$ oh, et plus. Puis là, j'avais eu, tu sais. OK. Fait que c'est comme sur 6 mois, mais à peu près en 2 shots, là, tu sais, en 2 jours puis de donation. T'as quand même eu ta Mustang, ta barnac, tu ouais, l'as eu. Mustang, j'allais maganer cette Mustang-là. Non, ouais, tu faisais de la skate dessus. Ouais, exact. Tu as même gagné un genre de concours. Exact, ou... c'était le défi hors-piste, c'est quand même un gros concours. OK, c'était big. Ouais, c'est quand même, il ben, y avait du monde sponsé pas mal. Il y a Annie aussi qui fait les Olympiques en skate qui était là. C'est quand même des gros noms, tu sais. Fait que là. Ça c'est... doit être insultant pour eux autres. Non, mais moi, j'ai pas gagné. Ah, t'as pas gagné. Il y avait un podium, 1, 2, 3, tu sais, meilleur, deuxième, troisième. Ouais. Puis il y avait aussi le choix du public, meilleur skater de l'année. Puis là, moi, j'ai gagné le choix du public. T'sais, j'ai pas gagné les tricks parce que clairement, ils sont tous bien comme moi. Mais je suis pas mauvais, mais pas tant, là, tu sais. Puis, ouais, toi, tu fais de la skate sur ton hood de Mustang. Ben, c'est ça, là, j'ai peinturé un Mustang en rose. Puis il y avait une liste de défis aussi que tu pouvais faire ou pas. Puis là, je me suis dit, ben, ski de cave, moi, juste toutes les phares complètes. Ouais, ouais. J'ai juste fait tous les défis. Fait que là, j'ai gagné avec ça. C'est quand même drôle. Avec ton personnage, t'étais tout habillé avec tes petites shorts vert plus haut. Ben, c'était un défi, c'est habillé tout en jaune. Fait que là, je m'avais acheté un petit chandail jaune avec des petites shorts jaunes, m'avais teint les cheveux en jaune. Tu sais, fait que... Puis en même temps, tu portes ça, toi, dans la vie. Ben là, je le porte à cette heure parce que je me suis OK. Mais ça vient de là. Ouais, okay. Ça vient de là. Fait que ça, j'ai gagné ça, puis j'avais quasiment gagné aussi. Je sais pas si t'avais entendu. Je me sens que t'en avais parlé avec Orange dans un autre podcast. Le Inc. Magazine faisait une recherche pour son cover. Ah oui. Puis j'étais premier, tu sais, pendant longtemps, je gagnais le compte. C'est 25 000$ que tu gagnais. T'avais-tu ta moustache? Non, j'avais pas de moustache dans ce temps-là. C'est ton affaire de making up ou. Non, je m'étais maquillé un peu, tout. Ouais. Puis ouais, j'étais première pendant un bout. Puis... Non, mais explique-les là, ça. Là, c'est, Mais c'était un gros concours, je pense que c'est mondial. Là, c'est tout le monde sur Instagram. C'est un gros magazine, le Inc. Magazine, qui cherche une nouvelle personne pour faire la page couverture. Une fois par année, ils font ça. 25 000$ en prix. Puis ils te fly in à Los Angeles faire des photoshoots, tout. Puis là, je me fais un beau petit photoshoot, bonne franquette, bien tranquille. Mais tu sais, c'était-tu genre, tu la jouais top modèle féminin? Ben oui, je me jouais top modèle, tu sais, je voulais gagner quand même. Mais t'as joué pas genre comme un homme, mais comme tu pognais tous les traits de. C'est quoi, c'est-tu la fille? À un moment donné, t'essayes de ressembler à une top modèle fille. Non, pas tant. C'est pas ça? C'est pas ça. Non, mais il y a pas une femme. Ah, oh, c'est qui? C'est pas ça. Parce qu'il y a une femme, genre, que. Genre, t'as assez. Tu fais tout le temps les mêmes poses. Tu t'avais fait le même maquillage. Ah, non, ok, je sais de quoi tu parles. Okay. Ça, c'est une de mes amies maquilleuses qui. Ok, c'est un autre. Ah, non, c'est une autre affaire, ça. Ok. Mais non, puis je pense que c'est toutes les autres filles qui ont juste chialé parce que ça finit avec plus une joke que d'autres choses. Tu le monde ne votait pas moi. Parce que clairement, c'est pas moi qui est supposé de gagner. Là, ah, c'est y a ça. Il y a des tout le monde était toute belle, là, tu sais. C'est fucking laid. Ben, j'étais pas le plus beau, là, clairement, là, avec mon Shaggy. Puis, tu sais. Mais fait que j'étais numéro un pendant super longtemps. Puis, c'est le concours. Ils m'ont juste disqualifié direct. Là, ah ouais. Oh, ils m'ont cancellé ça. Puis, c'est hey. T'as-tu essayé de fight back? J'ai essayé de fight back un peu. Ils ont rien répondu. Il y a un magazine qui m'a écrit, je me souviens plus trop c'était quoi, genre RCT, whatever. Ouais. Il m'avait écrit, ouais, il y a eu un cas de disqualification à cause de. Puis là, j'étais là, pfff, regarde, ça va être beau. Là, ouais, tant qu'à essayer de crier au scandale. Non, mais là, j'étais là, j'ai fait une joke, puis ça a marché. Mais là, ça aurait été le fun de gagner 25 000$ quand même. Ben, c'est ça. Tu sais, où tu t'es dit, gars, donnez-moi 5 000$, puis je ferme ma gueule. Mais le pire, c'est que ça a arrêté. Bon pour eux, au pire, là, tu sais, de comme. Tout le monde s'attend à ce que ça soit quelqu'un avec des tattoos, je sais pas, les lèvres refaites, whatever, comme à toutes les années. Puis là, c'est moi sur le cover du magazine, il me semble que ça fait jaser. Je pense pas que ça les arrête lui tant que ça de me mettre moi. Je gagne rien, anyway, tu sais, il a fallu qu'il me disqualifie. Parce que. Tu vas-tu te rassailler après? Je sais pas, sûrement que je suis barré déjà. Mais Anam, la femme à Orange. Ouais? Qui était ma boss au tattoo shop, qui est une
la meilleure tatoueuse d'après moi. Elle était cœur. Ben, c'est ça. Puis elle, elle connaît le, un des gars qui a le magazine, Ink Magazine, puis elle dit, wow, tu n'avais aucune chance de gagner. Ils t'ont cancellé ça direct. Là, c'est ça. Ah, ouais. Oh, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de fight back. Là. Le gars était comme, non, c'est pas toi qui vas gagner. Mais c'est pas, il aurait pu te donner une raison au moins. Tu sais, tu le prends trop comme une joke. Ouais, c'est déjà là, tu fais comme, ah, OK. Mais là, ils font juste pas répondre. Je peux pas s'ostiner, je pense. Je sais pas c'est qui a gagné finalement. J'aurais dû suivre ça après. Ouais. J'étais juste trop fâché. C'était moi qui étais supposé être sur le magazine. C'est quoi que t'aimerais. Parce que là, tu me dis, toi, t'as une job de jour en ce moment. Ouais. Puis, c'est quoi que t'aimerais que ça devienne. Tu sais, mettons, ton Instagram, ta chaîne YouTube, ben que t'as avec ta blonde, là. T'aimerais-tu en vivre à m'emmener, puis que tu fais juste des niaiseries? Ouais, c'est sûr, j'aimerais ça en vivre. Je sais pas si c'est possible, là, tant que ça. Moi, ce que j'aime, là, c'est les... On a notre chaîne YouTube, c'est cool. On a fait notre Patreon aussi. Mais là, moi, c'est les podcasts. Moi, c'est vraiment ça qui... c'est vraiment ça qui m'intéresse, les podcasts. Probablement la personne qui a écouté le plus de podcasts au monde, sans farce, j'ai fait le tour de tous les tiens, tous les Mike Ward, toutes Name It, Thomas Lavac, j'ai tout écouté. Puis j'avais commencé un projet de podcast aussi avec Billy, le Centurion le Podcast. Le Centurion Podcast. Mais tu l'as pas arrêté. Je l'ai pas arrêté. Cinq slacks. Et... Ben, on en avait fait cinq à peu près. Puis ouais. Ce qu'on s'est rendu compte bien vite, c'est que le monde... Tu sais, j'ai quand même des amis humoristes ou des amis influenceuses où j'avais du monde quand même nice que j'appelais. Puis j'étais comme, hey, on fait un podcast, mon blonde, on venait partir ça. Ça t'a tendu de participer, tout le monde était comme, ah, trop dans, on participe. C'est quoi le concept? C'est boire 1000 shooters de bière en 5 minutes. Tout le monde est comme, ah, ouais, non. Ouais, c'est 100 shooters de bière en 5 minutes, tu sais. Puis tout le monde est comme, ouais, non, laisse, ça me tente pas de scraper ma semaine parce que je suis trop sous. Fait que, tu sais, le monde était dedans. C'est ça, t'étais un peu fourré. Exact, fait que tu sais, puis là, ça a pris du temps avant qu'on fasse comme, OK, ben là... Puis tu sais, c'est leur image. Exact, mais moi, je trouvais ça drôle, tu sais, je trouvais que ça faisait un peu genre recette pompette, tu sais, comme on y va pour la joke, c'est un défi, au pire, c'est pas grave, ça. Puis tu sais, il y avait pas de... Tu sais, c'était en bas 30 shooter, puis après ça, t'es comme, OK, j'arrête. Pas là pour tordre un bras à personne non plus. Fait que ça aurait pu juste être ça, tu sais. Pet shamé, là. Esti de la pète. Non, mais c'est ça, mais en tout cas, fait que finalement, le concept, il marchait moins que je pensais. Mais là, on veut refaire notre podcast avec Billy. On a pensé à quoi d'autre. On était supposé peut-être le faire au bar le MR250. OK. Si tu... Non, c'est dans quel coin? C'est au 250 Mont-Royal. OK. Puis là, on voulait faire ça devant public. Un autre concept plus simple, là, ça a tout cassé à cause de la pandémie, tu sais. Mais là, on pourrait peut-être le faire... Devant public, tu dis que tu détestes parler... Ouais, mais là, c'est un podcast, tu sais, c'est pas... Je parle pas au monde, là, je parlerais, mettons, à toi... Mais devant tu sais, du monde, là, ça m'a... Hey, c'est clair, je vais voir les premiers épisodes de ça, de toi, mal à l'aise, puis qui essaye d'avancer, puis qui essaye de puncher. Non, mais je pense que ça pourrait être cool, tu sais. Ouais. Tu penses? Ah, moi, j'avais pas pensé non, à ça. Non, moi, je suis sûr que ça va être cool, mais je veux voir les premiers épisodes de... Moi, je sais c'est quoi embarquer sur une scène. Non, mais le bar, en tout cas, si tu verrais quoi, c'est pas... OK. C'est pas stressant, tu sais. Okay. Puis je dis devant le public, mais tu sais, ça aurait sûrement juste été les chums. Tu sais, on aurait fait ça avant que le bar ouvre, mettons, le bar ouvre à 4, on fait ça à 2. Mm-hmm. Puis on invite les chums, puis après ça, le after party, c'est quand le bar ouvre, pour vrai, tu sais. Ouais. Pas du genre, là. OK. Mais non, fait que là, peut-être le faire, qu'on va faire le concept pareil devant pas public ou mais là, tu sais, faut que tu fasses ça en Zoom, je sais pas trop. Là. Ouais, version Zoom, c'est tout le temps plus à chier. Exact, hein? C'est ça. Fait que je veux pas brûler du monde que j'aurais pas invité exact. Au bar. Ouais. Puis là, je vais vous inviter en Zoom, puis là, ça va être nul. Puis après ça, mec, les bars rouvrent, là, je vais, hey, je peux-tu t'inviter là? Moi, je l'ai fait, là, tu sais, le mois passé. Mm-hmm. Fait que là, on est comme en stand-by, là, tu sais. Mais ça, j'aimerais bien ça, parce que j'en écoute gros. Ouais. Je suis là. C'est parti à un Patreon aussi. On s'est parti à un Patreon. On fait un vidéo tous les mardis. Mais là, on a slacké gros YouTube à cause de ça. Tu sais, toutes les vidéos, on les met là-dessus. Parce que normalement, on faisait assez de vidéos pour en mettre plein sur YouTube. Des affaires plus exclusives sur Patreon. Mais là, il n'y a comme rien à faire. Là, on est en quarantaine. Ouais. On fait pas tant de vidéos sur YouTube. On fait juste mais t'es mets-tu public à longue ou il reste juste. Il reste juste sur Patreon. Ouais. Ah, mais dude. Il faut que tu... Ou sinon, c'est parce qu'il faut que tu essayes d'aller les... Ben, je sais pas, ça. Les agripper, mais c'est pour ça, vu qu'on avait les deux avant, tu sais. Mm-hmm. Ça, c'est les... Qu'est-ce qu'on fait? Puis si vous voulez pire, ben, c'est Patreon. Mais là, on n'a pas le...
On n'a pas le YouTube, fait que là, en tout cas, je sais pas trop. OK. Mais toi, t'es en stand. C'est tellement plate de stand. T'es mis sur quel site? T'es mets-tu genre YouTube, mais non répertorié? Exactement. OK, puis là, tu mets sur Patreon. Ouais. Ouais. Mais là, sûrement qu'on va faire, comme tu dis, sûrement qu'il y en a une coupe qu'on va débloquer, ouais, puis qu'on va mettre juste YouTube, parce que là, on n'a rien d'autre de nice à pouvoir filmer, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Mais toi, parce que dans le fond, toi, tu 100% de ce que tu fais. Tu le mets sur Patreon avant, puis après ça, tu le sors pour tout. Ouais, le... c'est ça, tu sais. Puis là, fait que là, tu sais, ils ont ça en bonus, genre, mais en même temps, là, je commence à sortir des épisodes, genre, exclusifs. Juste Patreon. Ouais, tu sais, je commence à faire des lives. Parce que moi, j'aime bien ça, faire des lives. Ben, c'est ça, j'aimerais ça faire. Puis là, le monde, est-ce que tu me poses des questions, me saoule, puis tu sais, à la fin, il m'a un scrap, je réponds aux questions. Ça, c'est vrai. Puis, fait que ça, c'est cool. Puis là, j'ai remarqué que j'ai comme tout déjà raconté mes meilleures anecdotes. Fait que, tu sais, j'en ai fait quand même peut-être une trentaine de lives sous toute seule. Fait que là, tu sais, avoir quelqu'un qui m'aide à rebouncer des fois sur certaines affaires. Là, j'ai trouvé mon vrai beat. Puis c'est tout le temps des chums. Tu sais, c'est pas du monde connu, là, tu sais, c'est juste des amis que j'ai une bonne vibe avec. Ça, il va tout de suite avoir une complicité, puis on va rire, puis on va se raconter. Ça va y aller tout seul. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Puis c'est exclusif juste pour mes. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça marche juste faire. Mettons un podcast, tu le sors exclusif, parce que tu peux le sortir pour tout le monde. Mm-hmm. Faire une vidéo, si exclusif, ça, tu le sors. T'as comme brûlé ton vidéo, tu sais, c'est comme si une fille allait à OnlyFans puis elle met de temps en temps des photos tout nues sur, tu sais, je veux dire, comme t'as plus l'exclusivité, là, ça sert à rien, là, c'est tout ou rien, je sais pas. Yann, qu'est-ce qu'il fait, lui, c'est qu'il met genre 2-3 jours pour ses Patreons, puis après ça, il met... public. Ouais, c'est ça, tu sais. Pour comme... Mais surtout, c'est que l'affaire, c'est que le monde, ils vont s'abonner à ton Patreon s'ils t'aiment comme personne, tu sais. C'est plus ça que c'est comme moi, mais c'est pas mal ça. Là. C'est comme, hey, Chris, qu'on aime Jer. Je veux qu'il continue à faire qu'est-ce qu'il fait. Je veux pas qu'il aille pogner une job, puis que. T'as l'impression qu'il sort plus de podcast. Ben, c'est ça, il sort plus rien, puis que. Fait que, tu sais, il s'abonne. Tu sais, la plupart, je suis convaincu qu'il y en a peut-être qui. Il y en a beaucoup qui payent puis qui ne regardent pas vraiment ou qui la regardent une fois que c'est sorti. Quasiment, oui, ouais, c'est ça. Ou quand ils ont le temps, là, tu sais. Ouais. Patreon. Fait que, fait que là, tu as quand même des projets pour que. Ouais, le projet, ce serait vraiment ce qui m'intéresserait, ça serait faire un podcast. Puis je pense que j'ai pas. Tu on dit tout le temps qu'il y a trop de podcasts au Québec, le monde dit ça, tu sais. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'invités, quasiment. Il n'y en a pas assez. Je trouve que c'est une meilleure réponse, c'est ça. Tu sais, c'est souvent le même monde qui revient. Moi, je pense que je connais du monde, surtout, tu sais, plus Instagram. Tu sais, je connais des influenceuses qui sont. J'ai jamais vu dans aucun podcast que moi, je pourrais amener. Je connais des tatoueurs. Je connais du monde qui sont. Ils n'ont peut-être pas nécessairement tout une tribune, là. Je sais pas si ça apporterait. Moi, je pense que ça serait cool. Puis aussi, l'affaire, c'est que ta vibe. C'est une couleur. Si tu décides de la jouer, genre interview, tu poses juste des questions, ben là, tu sais, tu te piles un peu, tu te mets des bâtons dans les roues. Mais non, je pense pas que je suis full. Je serais pas bon non plus là-dedans d'être mais full by the book. Mais en même temps, je m'adressais pas à toi, mais je parlais comme à quelqu'un en général. Tu sais, si elle joue de même, mais si tu joues comme, tu sais, moi, je suis exactement la même personne que dans la vie, fait que, tu sais, ça rajoute ma couleur. Exact, pis, ça serait plus ça aussi. Puis, man, moi, ça fait tellement chier l'affaire du confinement, puis ça leur venu la pandémie, parce que là, j'ai comme plein d'invités. En stand-by. Ben, que genre, je veux inviter qui ont pas été ailleurs. Tu sais, comme ma tante Raymond Boulanger, puis Alain-Olivier qui va sortir cette semaine, là, mais. Mais man, tu sais, on les a pas vus dans des podcasts, eux autres. Non, puis tu sais, c'est pas parce qu'ils passent, on va dire, je sais pas, à Tout le monde en parle, qu'ils vont être exactement le même qu'à Tout le monde en parle, tu sais. Fait que c'est ça qui me fait chier, mais j'avais plein d'idées d'inviter à inviter, genre, du monde qui se sont évadés de prison. Puis, OK. Puis après ça, ils ont retourné, puis là, ils ont écrit un livre là-dessus, puis là, je fais comme, hey man, t'as comment ça, tabarnak? Je me suis rendu compte que c'était bien payant quand j'essayais d'aller ailleurs. Que juste dans les humoristes. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Ou des artistes, tu sais. Juste d'avoir du monde. Ben, c'est ça. Moi, ça serait ça. Je serais forcé de faire ça, parce que j'en connais pas tant d'humoristes. Moi, ce que je connais, c'est des tatoueurs, des artistes, du monde qui font de la musique, ou des influenceurs, du monde qui ont des OnlyFans, c'est comme tu dis, des affaires même. Ouais. Moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'était ça. C'est que, ma tante, il y a du monde avec une grosse notoriété
qui sont venus sur mon podcast. Fait que... Ça t'a donné un boost. Ouais, c'est ça. Fait que j'en ai eu. Ben, au début, c'est pas ça qui est arrivé, là, mais tu sais, à la longue, après la première année. Quand... C'est souvent quand le monde, il voit que t'es sérieux puis que tu travailles vraiment fort. Là, ça leur. Tu sais, Mike, c'est ça qu'il a fait. Là, il a fait. Ah, ben, Chris, ben, je vais aller. Je vais aller. Moi, y aller. Moi, tu sais. Fait que là, t'en as un. Fait que là, c'est plus facile d'en avoir un autre. C'est tout le temps, ouais, ouais. temps ça. Tu sais, avec ta liste d'invités, tu réussis à avoir du monde. Là, mais ça serait cool, man. Moi, je te le souhaiterais, mon gars. Je pense que, ouais, faut que je m'équipe, là aussi. J'ai pas rien de stock de ouais. micro, toutes les affaires. Mais là, avec l'argent du Patreon qu'on a live, on va pouvoir tout s'équiper. Mm-hmm. Fait que ça serait ça le projet, là. Faire le podcast. Sinon, continuer les vidéos aussi. En maintenant, on peut sortir dehors, faire des voyages. Comme tu dis, moi, c'est plus des vlogs que je fais. Ouais. Je sais pas, je fais des vlogs dans mon sol. On a fait le tour de. Mais tes sketchs sont drôles, ben. Ben, c'est ça. Peut-être que c'est plus là-dessus qu'il va falloir que je m'enligne, de faire plus des sketchs ou, tu sais, quitte à faire une espèce de mini-série, juste moi puis Billy dans le sous-sol. Puis. Mm-hmm. C'est pas trop, là. Ouais. Mais, bro, c'était nice, man. J'ai bien du fun. Ben, pis, moi aussi, pour merci. Le cadeau, man. C'est super chill. Plaisir. Merci de m'avoir invité. Ouais. J'espère qu'on va se croiser plus qu'une fois par année. Ben, Chris, faudrait. Tu m'inviteras à ton affaire de centurion, là. Exact. Ouais, c'est ça, ça pourrait être ça moi, aussi. Moi, je l'ai fait deux fois, ça, un centurion. C'est pas la fois que tu t'es endormi. Non, c'était pas un centurion. Non, ça, c'était. J'avais bu trois drinks. C'était des old motherfucking bastards. Ah, ouais. Puis ouais. C'est comme, il y a plein de shit. En tout cas, il y a plein de forts dedans. Puis j'en ai bu trois, puis le troisième... Ça commence à être là. Ah ouais, puis là, moi, je... OK, je pensais que c'était un centurion que tu faisais par moment. Non, centurion, je tombe pas endormi parce que je reste actif. Tu sais, il faut que je sois concentré, là. Moi, il fallait que j'aille... Ça sonne une minute, tard. C'est ça, il fallait que j'aille une feuille pour les compter, pour savoir combien que j'en fais, parce que j'oublie tout, là, tu sais. Bon, on l'a fait, ça, moi puis Billy, par exemple, on a fait sur YouTube juste une vidéo que ça sonne à chaque minute, ouais. pendant 100 minutes, fait que si jamais, à place des compter, tu sais, ouais. tu pars la vidéo, tac. Ah, mais comment tu sais que t'es rendu à 100, genre? C'est 100 minutes. Ouais. La vidéo il est 100 minutes, puis à chaque. Ah, oh, OK, genre, il y a un décompte, genre. Exactement. Ah, OK. La vidéo dure 100 minutes, puis c'est juste une roulette, puis à chaque minute, ça fait un bruit, puis ça fait 1 sur 100. Ça fait 2 sur 100. Ah, OK. On l'a fait ça. Ah, c'est pour ça. Moi, j'y allais juste moi avec ma montre, puis. Non, mais on en a créé un, parce que nous aussi, on y allait avec. On se timait, tu sais, puis mm-hmm. ça marche pas. Là, on dit, on va en faire un, puis le monde va pouvoir. Tu viens trop sous, puis tu catches plus rien. Ouais, on s'est dit, on va pouvoir prendre cette vidéo-là. Tu sais, je sais pas comment on est rendu de vue. C'est juste un timer, il n'y a rien qui se passe. Rien que mais puis OK, fait que vous avez créé un vidéo avec un timer. Exactement. Ah, OK, je viens de catcher ton affaire. Puis il se passe rien, là, c'est un timer non. sur tout, mais puis toi tu le pars quand que tu veux faire ton centurion. Exactement. Tu même puis des fois du monde qui font des stories puis qui m'écrivent puis là, ils ont juste notre roulette là, tu sais là, avec le puis ils font un centurion, mais on voulait en faire un. Parce que là ça a quand même pogné, on a quand même gros des views juste sur un timer, on s'est dit on va en faire un mais pire, tu sais. Mettons après 10 shooters, c'est genre la personne à ta droite, whatever, tu sais, bois deux. Tu sais, bois deux shooters au lieu d'un, si tu dis pas telle affaire, ou je n'ai jamais lu qui répond pas, bois deux shooters. Ouais. On va faire une espèce de centurion extrême. Fait qu'en tout cas, c'est pas trop. Là. Le extrême, je trouve qu'à chaque 10, c'est un shooter d'alcool. Mais oh, là, ouais, là, t'as un shot de fort, quelque mais chose. Mais là, tabarnak. À 50, t'as un shotgun, une bière au complet. Hey, c'est dangereux, quand même. Parce que moi, je trouvais que c'était pas si pire. T'es sous, mais pas si payé sous. Ah, ça gâche ton lendemain. Là. Ça gâche une soirée. Moi, qu'est-ce que je trouvais qui est redondant, c'est que c'est le même goût tout le temps. Tu sais, ouais. Fait que ça tombe sur le cœur. Moi, je le faisais tout le temps avec de la Sleeman Clear. Puis tabarnak, j'avais un bol, mais juste pour vomir ma mousse. C'est tellement pas... Mais c'est pour ça que le monde ne venait pas à mon podcast. C'est tellement pas élégant. Je vois tellement pas, là, tu sais, là... Non, mais tu sais, genre, tu peux pas inviter, Mike genre... Ward, n'importe quoi, là. Tu sais, même Mike qui boit, il ferait jamais ça. Marina Orsini en train de... Ouais, vomir, Chantal Lacroix. C'est ça, y a pas personne qui va vouloir faire ça. Il est temps qu'on change de concept. Mais tu sais, on se dit, on va trouver quelqu'un qui va être down de le faire à la place de juste faire. On change le concept, on fait juste quelque chose d'autre. Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est parce que. Ça... On trouvait ça drôle, ça. Fait que c'était. Ouais. En tout cas. Mais nous autres, ici, c'est pas payant. Tu sais, si tu veux faire gros des podcasts, t'es mieux d'en faire deux d'une journée ou des affaires ouais. de même. Mais là, faire deux centurions, tu sais, tu peux pas. Non, je serais jamais tu peux ça, pas faire même. Deux centurions d'une journée. Tu peux même pas en faire deux d'une semaine. Là, ça... Ben moi, juste, qu'est-ce qu'on fait là, j'en fais un par jour.
C'est ça, t'en feras un autre après, c'est drainant. Je peux pas. Non, c'est ça. Tu sais, moi, après ça, en plus, quand tu pars, c'est pas fini. Là, moi, faut que je mette ça. Faut que j'arrange le son, que je mets le montage, tout fit. Tu sais, fait que juste ça, ça prend du temps. Là, fait que, tu sais. Ta journée est pas finie. Là. Non, c'est ça. Faire ça tout brisé après avoir. Ouais. Fait mais malgré que je le fais souvent blackout. Là, mais... Juste travailler, c'est tout fait. Ouais. Je l'ai déjà compté, cette anecdote-là. Ouais, c'est ok, tu sais de quoi je parle. En tout cas, pour ceux qui... J'ai fait tout le montage. Ouais, parce que, man, j'étais curé de faire du montage. Avant, ça me prenait du temps, mais j'avais deux caméras. Puis là, man, j'étais chez nous, faisait 4 heures, j'étais là-dessus, petite calice. Je suis quand même, man, gars, je vais aller boire au bar, m'en revenir, m'en prendre une pause. Quand m'en revenir, m'en être plus dedans, m'en pouvoir finir. Finalement, j'ai bu, j'ai resté au bar, j'ai viré une de ces sacraments de brosse. Puis j'étais revenu chez nous, j'étais blackout red. Fait que là, le lendemain, je me souviens plus qu'est-ce qui se passe, je me réveille. Là, je fais coller, j'étais en tabarnak parce que s'il faut que je fasse mon montant, je suis hangover, ça me tente pas. J'ouvre le dossier, j'ouvre l'ordi, j'ouvre le dossier, je regarde, tout est fait. Je suis comme, quoi? Puis là, je check, ça doit être monté tout croche, tu sais. Tout est bien fait, tout est super carré. L'intro, le générique à la fin, tout est là. Je suis comme, Chris, good job, Drunk Jerem! Drunk Jerem! Yeah, yeah, bro! Non, moi, je suis pas si productif que ça. Je pense pas que ça va m'arriver. Ah, mais dude, une photo de ça, là. Ouais, c'est... Hey, man, ça a dû... Mais, tu sais, j'ai réussi. Mais là-dessus, mon gars, ça, je veux dire merci. Thank you d'être venu. Acid Blais, Max Blais. Yes. Si tu veux plugger quelque chose, tu sais quoi, t'aimerais plugger? Mon Instagram, c'est Acid Blais. Sinon, le YouTube, la chaîne, c'est avec ma copine, c'est Acid Billy. Puis tes Patreon. Patreon, c'est... même chose, Acid Billy. Okay. Tout d'un mot. OK. Bon, puis. C'est son vrai nom, Billy. Ouais. C'est... Ouais, c'est vrai, je t'avais posé. Moi, je pense que tu m'avais posé ça, mais ouais, tout le monde pensait que c'est pas son vrai nom. C'est son vrai nom. Mais c'est pas Y, c'est I. Ouais, mais c'est parce que c'est pas commun tant que ça. Pas tant que ça, mais c'est pas. Parce que je sais que même aux States, il y a Bobby aussi. Bobby, c'est un nom de fille aussi. OK. Ah, oh, ouais. Ouais. Ah, ça, c'est moins charmant. Ben, j'espère. Hey, t'es comme genre une lettre de pas sortir. Mais bref, merci beaucoup, mon gars. C'était vraiment le fun. Fait plaisir, n'importe quand. Puis, yes. Yes. Tu m'inviteras à ton centurion. Moi, y aller. Moi, je ferai pas comme toutes tes autres artistes. On va te préparer un bol où tu puisses former ta sleeve and clear. C'est ça qu'il faut. Puis je vais emmener ça, puis je vais me cacher derrière. Quand je vais y aller. Hey, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir écouté. Passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. T'es la gang. It's a What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.